En bas, j'ai l'impression que j'ai un truc qui me chauffe la gueule tout le temps là. J'ai l'impression d'être un poulet sur sa broche quand je suis en stream. J'ai envie. Vas-y, limite, je me mets debout. Mais non, mais debout, ça marcherait pas, c'est ça qui est chiant. Parce que limite, j'ai envie de streamer debout, j'aurais moins chaud, je pense. Réhomme Viande ne se douche pas. Oui, clairement. On va reprendre FF16. On est en train d'essayer d'aller à Rosalia. Et il y avait masse quête annexe sur le chemin, c'est ça, il y a une quête annexe sur le chemin, machin, il y a des trucs à faire. Pas vous? C'est moi, j'ai entendu Fortnite se lancer. Je l'ai pas lancé, je l'ai balancé, je suis pas barjo. Oh, j'adore les combats dans le jeu, ils sont tellement bien. Ah, ça m'avait manqué une heure sans jouer au jeu. Pas vraiment, je suis puant quand je dis ça, mais ça me fume. Et c'est vrai, hein, c'est ça le pire, c'est que c'est vrai. Non, c'est faux, je le pense pas vraiment, machin. Si, si, je le pense totalement. Vraiment Viande dit quoi? Ah bah non. Dit quoi Koubé, bien Viande, évidemment. Ok. Bombe. Ouais. C'est trop chiant les frelons. Descends. Enfin, les abeilles ou les frelons, peu importe. Et pour quelle version c'est? T'as une 32 quand même, c'est pas mal hein. En fait il parle de quoi le jeu? Depuis hier j'essaie de suivre mais je dois être trop fatigué pour comprendre. Il parle d'un homme, déshérité. Hop. Poussé par une entité qui essaye de venger la mort de son frère et qui se rend compte que c'est lui-même qui a mis fin à ses jours. Hop. C'est trop chiant les frelons. Non, les frelons ne couchent pas avec leur cousine. Donc c'est pas la même chose. On va aller par là. Ça se peut. Ok, bah au revoir Bréo. Merci. Oh, il y a des malandrins. J'adore le mot malandrin. Ça me fait rire. Vraiment malandrin, ça fait un peu petit brigand, ça me fait marrer. Ils sont nazes. Ils sont vraiment nuls. Ils sont pas très viandeux, les malandrins. Ok. En vrai, s'il y a un modo sur le live, je sais pas si Kaoxyde est encore là. Il y a moyen de créer une commande avec le synopsis d'FF16. SVP. Ouais. Les gens ils demandent à Jordan 4 ce que c'est, de quoi ça parle, machin. Et en vrai, après l'avoir répété 300 fois, il commençait tout fatigué quoi. Oui, mais c'est ton rôle de répéter que ça bave. Tu étais prof, on te rappelle. Tu n'as aucune pédagogie. On me l'a déjà sorti. Ils veulent pas la bagarre, eux. Elle est où la quête annexe? Ah, elle est là. Elle est là, c'est lui qui veut me parler. Non, mais c'est pas toi, Milan, hein. C'est pas, je rage pas. Hey, vous, par ici. Je cherche une solution plus simple à ce problème. Il n'en est pas vraiment. Excusez-moi, votre épée pourrait m'être utile. Oh, pas de bol. Bon, visez combien d'euros ce soir, le chat? J'ai pas le temps de demander une permission à son maître. Parce qu'on rappelle qu'on est en événement caritatif pour Analgesia. Donc combien on vise ce soir? Bien. 2500 2500, vous êtes des malades. 3000 euros, vous êtes des malades. On a déjà essayé de le faire nous-mêmes. 2600, vous êtes des malades. On a posé un appât en pensant pouvoir tous les massacrer d'un coup. 2600, vous êtes des malades. On s'attendait pas à avoir une si grosse meute. Ah, merci Caro pour le raid. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Là, vous exagérez un chouïa. Ouais, il y en a, ils exagèrent un chouïa. Bonjour, ça va, bienvenue. Bienvenue, bah on est sur l'event Analgesia. Analgesia. Ah là, ils vont pour Analgesia. Et bah, je suis en train de découvrir FF16 tout le week-end hein, parce que je suis addict. Voilà, c'est très simple si on fait du multigaming ici. Bien, je voilà, voilà. Bonjour le raid. Et merci beaucoup pour le raid. Que ces fichus monstres sont encore dans le coin. Sur les restes on fait de la quête annexe. La musique de raid, bah oui, du Zelda à la base. Je viens de prendre une douche et j'ai déjà chaud, j'en peux plus. Qui est juste je pense que les 400 000, c'est. Il sera content de savoir oui. Peut passer. Oui, bien sûr. Bon, je compte sur bien toi. Sûr, on va viser 400 000 euros de dons sur la chaîne ce soir, bien sûr. Oui, au minimum, quoi. Au minimum. Mais bienvenue le raid. Merci beaucoup. Merci encore pour le raid. Merci beaucoup. Et vous avez, n'hésitez pas à les follow KO. Hein. Enfin, qu'on arrête tout à l'heure. Quand je suis parti pour ma douche, j'ai envoyé un raid. N'hésitez pas à aller follow si ce n'est pas fait. Moi, je te sens pas chaud de faire des lessieux de visage. Je suis pas chaud du tout. Merci Drixai pour le follow. Merci beaucoup. Je suis absolument pas chaud. J'étais dans ton raid à l'aller. Je reviens du raid. Bah, bienvenue. Je sens bon d'ici, merci. J'avais tellement besoin de cette douche. J'en pouvais plus, hein, vraiment. J'en ai pris une ce matin à 9h. J'avais juste envie d'une coupure là. Et la coupure elle fait du bien, hein. Vraiment c'est un vrai plaisir. Je vais faire cette quête là, je peux la mettre comme ça. Je suis bien pomponné.
T'as fait quoi aujourd'hui? J'étais pas là. Alors aujourd'hui, pour vous résumer, on a fait du Final Fantasy XVI. Du Final Fantasy XVI. On a fait un peu de Final Fantasy XVI. Romain Jacques m'a obligé à faire un top 1 sur Fortnite, le jeu de merde. Et j'ai refait du Final Fantasy XVI. C'est... Pff, le programme du week-end est lourd de fou. Non mais il y a une petite addiction, hein. Voilà, mais globalement, on a fait du Final Fantasy XVI. Voilà, affamé. Globalement. Affamé. Du coup, j'ai pas suivi. Éliminer les monstres sera trouvé autour de l'APA. Ok, la bagarre, globalement. C'est fini. Oh, pas en 3 games, non. 3 ou 4, je crois. On a fait du jeu de société aussi, oui. On est allé faire des dessins. Je sens, il y avait KO. Camille, misère. Elle est trop forte. On a fait du dessin. Romain a fait honte à ton planning du jour. Il a entaché le marathon FF16. Hop. Et du coup, on débattait. Bon, ce soir, du coup, vous visez combien? Parce que moi, je suis prêt à lancer une prédit, hein. Le chat, je reviens sur ce que je disais. Je suis prêt à relancer une prédit. A votre avis, on atteint les combien euros? C'est marrant, hein, c'est marrant la prédit. C'est drôle. Combien d'euros de dons avant 22h? Avant 22h, parce qu'à 22h, je vais faire le JDR. On va faire du JDR avec Ezekiel en maître de jeu. Ça va être trop bien. 2200 avant 22h. 2500, vous êtes des malades. 2500, vous êtes des malades, mais j'ai envie. Allez, j'ai envie d'être joueur. J'ai envie d'être joueur, j'ai envie d'être joueur. Vous allez perdre tous vos points, hein. Vous allez perdre tous vos points, mais je m'en fous, hein. Moi, je suis joueur, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle et les dons, ils se tonquent quand on fait ça, donc écoutez. Vas-y. Vas-y, je vous laisse prédire tous vos points de chaîne. 2500 avant 22h. J'ai pas récapitulé. C'est avant 22h. Avant 22h. 2500 avant 22h, oui ou non? Pour toi, mais 500 euros en 2h, c'est chaud. C'est chaud et ça s'est déjà vu, hein. Ce qui a un mec qui arrive, il claque. Des fois, c'est arrivé, hein. C'est déjà arrivé sur d'autres events. On sait jamais. On sait jamais. Brice, moi, j'y crois un petit peu. Et en même temps, pas trop. Votre ami m'a demandé de tuer les loups. Je sais pas. Alors, je me suis lâchez les points de chaîne. En vrai, ceux qui mettent oui, vous êtes. Allez, soyez joueurs. Soyez joueurs sur les points de chaîne. Ça, tu ne serais pas de ce côté du pont. T'es du genre balèze, toi. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, Frédéric, ce vieux renard. Ah, ça va le faire, peut-être. J'aurais jamais eu l'idée d'envoyer un pourvoyeur contre ces bêtes. Tu as bien travaillé, pourvoyeur. N'oublie pas de remercier ton maître pour nous. Bah, la preuve, Romain, tout à l'heure, il a pris 1000 euros d'un coup, hein, tu vois. Ça... Vous voyez, c'est possible. Romain, tout à l'heure, il a pris 1000 balles d'un coup, hein, sur sa cagnotte. Donc, nothing is impossible when I say in English. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais être full dans non. Non, mais pariez, là, y'a pas assez de points de chaîne, hein. Là, y'a pas assez de points de chaîne, hein. Quel est le Pokémon préféré du Père Noël? C'est Célutin. Car on dit toujours, voilà le Père Noël et Célutin. Je ne parle plus tant qu'il n'y a pas au moins 100 000 points de chaîne dans le oui ou dans le non. Je fais plus rien tant qu'il n'y a pas au moins 100 000 points de chaîne dans l'une des deux catégories. Ah, parfait. Merci Caroxide pour la corde. Voilà, vous arrivez à parier. Vous y arrivez. C'est Moulin. Il y a beaucoup plus sur le nom. Il y a plus sur le nom, c'est pas mal. Vous y croyez pas trop? Moi, en vrai, je serais tenté de dire non aussi. Je serais tenté de dire non, mais... Sait-on jamais, hein. Merci Audi Glibi pour le follow. C'est tellement stylé comme jeu. Attendez, juste par contre, j'ai pas... Ah, mais j'ai déjà fini les... J'ai fini la quête... Je suis pas assez concentré sur les quêtes secondaires. Je ne suis pas assez concentré. All in. C'est que ça y tue. T'as pris des risques, mon avis. T'as pris des risques. T'as pris des risques un petit peu. Je comprends. Hop. Il est tellement stylé le jeu. J'avoue, je massacre tous les ennemis qui se passent, même les antilopes qui n'ont rien demandé. Mais l'XP gratuite, je prends surtout les points de compétence en fait. J'ai envie d'améliorer un peu mon perso. Hop. J'ai mis oui. Caroline, oui. Allez, je parle plus tant qu'il n'y a pas au moins 200 000 sur le oui. Je fais plus rien.
Voilà, je peux parler. Ah, c'est bien. Oh, la pression que je vous mets, j'adore. J'adore cette pression. Mais après, je sais qu'il y en a, ils sont contents que je ferme ma bouche. Genre Kaoxide, clairement. Clairement, je sais que Kaoxide, si je dis je ferme ma gueule tant qu'il n'y a pas un euro de don, il est capable de DDoS l'event. Hein. Vraiment. Hein. Capable de DDoS l'event. Ouais, un petit chance. Salut, Evan Mix. Tu sais, il est capable. C'est calme. Il se passe quoi du coup si on, si le vote ouais. se termine sans ce que t'as dit je sais pas. J'ai pas compris la question. Vous êtes Clive Rosefield. Combien les sons Zeldo? Ah bah la base les sons Zeldo. DDoS c'est quoi? Bon c'est. Il va faire planter le serveur en gros. Alors il se passe quoi là? C'est moi, Anna, la femme de Murdoch. D'accord. Madame Murdoch. C'était qui Murdoch? Attendez, attendez. En lore, c'était qui Murdoch? Anna Murdoch, la femme de Rodney Murdoch. Ah oui! C'était lui! Général de l'armée rosalienne, homme de confiance de l'archiduc, chargé d'enseigner le maniement de l'épée à ses fils Clive et Joshua. Or qu'il escorte la délégation du rite de l'augure martial, il disparaît sans laisser de traces dans les flammes du mystérieux primordial. C'est vrai! Je savais que c'était vous. C'est vrai qu'on n'a plus entendu parler vous de lui en soi. Oh, le jeune seigneur et mademoiselle. À quel moment on n'atteint jamais les 2500? Alors 2500 avant 22h. Hein. Avant 22h. Oh. Avant 22h, faut les atteindre. Il y a moyen de stonks, hein. All-in sur Wii, les petits dons, hop. Les points de chaîne stonks, le portefeuille des stonks, mais pour la bonne cause. Sinon, j'ai un autre moyen de pression, le chat. Vous savez, nous devrions discuter à la maison. Oui, alors deux secondes. Est-ce que vous voulez un moyen de pression, le chat? Vous voulez voir comment on récolte des dons, le chat? Est-ce que vous voulez voir comment on récolte des dons dans un événement caritatif? Vous voulez voir ou pas? Comment on récolte des dons dans un événement caritatif? Donc j'ai pas un euro, je n'arrête pas cette activité-là. Plodocus, 2 Plodocus, 3 Plodocus, 4 Plodocus, 5 Plodocus, 6 Plodocus, 7 Plodocus, 8 Plodocus, 9 Plodocus et dinosaure. Des gens m'assurent avoir fait des dons dans le chat, mais que ça n'est pas encore arrivé. Je vous fais confiance. Je n'ai pas grand-chose à offrir, évidemment. Mais nous y serons à l'aise. Planetry Alex. Ça va? Nous en serions ravis. J'ai envie de continuer le jeu un petit peu, en vrai. Ça super bien. Je suis en vacances, profite. J'ai reconnu son, je fais partie de l'élite. Oh la fausse note là. Oh bah après. Sur le site t'es à 2023A. Et c'est quoi le lien du site? C'est quoi le lien du site déjà? Oh. Même si c'était pour échapper au royaume de fer. Ah mais y a un bug. Ah, on est à 2023 euros. Ok. Ok. Non mais c'est pas ça le site. Oui. Je veux dire là où sont récapitulés les dons. Nous avons survécu. Voilà. Visiblement, ça bug. Nous sommes là. Ça nous fait plaisir de vous voir en bonne santé, vous savez. C'est ça le site. Ah, mais je parle pas de ça, moi.
Et vous comptez sans skin Zabab est une merveille. Ah non. Rosalys a toujours la protection du cristal mère, non? Vous elle cache un truc, hein. Je pense. Elle cache un truc de fou. Dans cette maison, vous savez. C'est sûr, elle cache un truc. Alors, elle est pas nette. Calme, elle est pas nette du je tout. Bougerai pas. C'est quoi la prédit 2500 façon, c'est, est-ce qu'on a les 2500 euros de dons avant 22h ou pas? T'as vu beaucoup les. Il est bien joué, bon, il est incroyable. Est-ce qu'on a les 2500 euros de dons pour Analgesia avant 22h ou pas? Quelqu'un, un VIP peut poster le lien du site. Genre, il y a les bugs d'hier. Ouais. Elle a caché un truc, Murdoch. J'imagine. Oh, pardon, j'ai mis 20 euros il y a 10 minutes. Ouais, il y a un bug. Je vois que t'es à 2063 là. Non. Bon, bah, les dons vont tous arriver en retard comme hier soir. C'est ça. Vous devriez pourtant avoir le. Ah oui, donc là, ça se tonks. Le site fait référence, hein. Votre mari. Le site fait référence, hein. Faites voir sur le site, du coup. Sur le site. Alors, attendez, je vois pas. Je vois pas où je suis, en fait. Je vois pas où je suis. Je suis où, moi, sur le site? Xav, ça va faire. Oui, sur le site, je suis à 2063. On est à 2063, évidemment. Tout en bas, bah oui, je suis à X, c'est tout en bas. Ok, on est à 2063. Le site fait foi. Puisque hier, il y avait eu un bug, oui. Oui, j'ai mangé des gnocchis déjà. Il y avait autre chose, c'est ça? Pas de soucis, merci. J'avais trop faim. Ils viennent me dire le repas est arrivé, mais moi, je suis vieux. Enfin, je suis vieux dans ma tête, je suis vieux. Je mange à 19h, vraiment 19h. Mon horloge biologique doit manger. Donc j'avoue qu'à 19h, je suis allé chercher un repas, il y avait personne. Personne mange à 19h, j'ai l'impression, je suis le seul. À 19h, je suis le seul à aller bouffer. Les gens, ils mangent tous à 20h, 21h, 22h, 23h. Romain, il mange giga tard aussi, d'ailleurs. Moi, à 19h, c'est bon, c'est trop tard. Hein. J'ai faim. Vous n'êtes pas au courant. Léo, t'es vieux sur ce point. Le jour de la table, ah oui. Rodney est mort. Il n'est jamais rentré du Fort Phoenix. Mais il est pas mort, Rodney. Si on n'a pas eu son corps, il est pas mort. Il y a une règle qui dit dans les jeux, si on ne voit pas le corps, c'est qu'il est pas mort. En 23h, c'est pas un vrai repas. Paye ta digestion, toi, la nuit. J'y crois pas à sa mort. Tout va bien. J'y crois pas. Si on vous voit pas le corps, pas... il est pas mort. Ce long voyage a dû vous éreinter. J'insiste, reposez-vous. Ah, c'est bon pour le compteur ? Demain. Ah oui, ça s'est mis à jour, mais j'ai pas eu les dons. Allez, faites voir. Alors, j'ai eu... Alors, pardon, excusez-moi. Du coup, je vois les dons. Merci beaucoup, Marcia Baila, pour les 20 euros. Merci énormément, Smoke, pour les 1 euro. Allez, on peut le faire. Faites péter les dons. Merci, Shitsui, pour les 20 euros. Salut, Xebeb. Tu connais mon amour Stolix, mais tu connais pas mon amour pour l'ornithologue. Car un jour, j'ai trouvé une carte magnifique en trouvant des vents inexplorés en passant par la ville rêveuse. J'ai rencontré des piafs fort aimables et un piaf, Gomerenev, Fluanderiz en Amped. Merci Kaoxide pour les 10 euros, mais boucle-la, bordel. Merci Kala pour les 10 euros. Pour 50 euros, tu continues jusqu'à 20h30. 50 euros et je continue jusqu'à 20h30 avec le kazoo. Ah, vous voulez que je me fasse expulser de l'event, hein, c'est un délire. Merci beaucoup à tous. Je suis désolé, il n'y a pas eu les alertes, je sais pas, ça a bugué. Ouais, non, 50 euros jusqu'à 20h30, je vais me faire expulser de l'event. Hein. C'est pour la bonne cause. Hein. Attends, mais Kaoxide, il a vraiment donné de l'argent pour le kazoo. Ils disent olé autour. Il y a des gens qui se mettent à dire olé. Ça me fume. Ça va. C'est viande en vrai. Hein. C'est un peu viande. Hein. Personne n'a fait de don, c'est-à-dire que vous voulez que je continue. Il n'y a pas vraiment Kaliyak. Mais attendez. Mais
Non, c'est qui fait des dons? Je comprends pas qui fait des dons. Non, le dernier, c'est qui est là? Je sais pas si les alertes refonctionnent en vrai. C'est Fortnite la musique? Non, je crois pas. Salut Lucifer, bonjour, ça va et toi? C'est quoi le site où le compteur est correct? C'est le site où il y a le... Mais là, sur le, sous la cam, il est correct. Hein. Je sais pas si les alertes refonctionnent, mais sous la cam, il est correct. Préparer des vêtements propres d'ici demain. Il faudra bien la remercier. Sous la cam, c'est correct. On est bien à 2061. Techniquement, 400 et quelques euros et on peut faire les 2500. Avant 22h, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. 13 ans. Il manque 2 euros. Ah, il manque peut-être 2 euros quelque part. 13 années passées à genoux, à vivre docilement. Ça va se mettre à jour. Encaisser les coups. 5h, JDR, 22h30. Allez, 2500 avant le JDR. Ma seule raison de vivre, c'était Joshua. Oh, bébou. J'avais juré que je vengerais sa mort, que je tuerais de mes propres mains cet autre primordial de feu. J'étais sûr que c'était pour ça que j'avais survécu. Mais en réalité, si c'est moi qui ai provoqué la mort de Joshua, et même du général Murdoch... Alors pourquoi c'est moi qui suis encore en vie? Oh... Je connais ça. J'ai envie de lui faire un câlin. À cause de moi... Tant de gens sont morts. Tant de vies gâchées. Et j'ai aussi perdu bien des compagnons. C'est ma cause. C'est gentil. Pour tout te dire, en fait... le jour où on s'est retrouvés... J'étais prête à mourir. J'étais en proie au désespoir. J'étais complètement à bout et je me perdais chaque jour un peu plus. Après, c'est 2500 avant 22h ou pas? 2500 avant 22h ou pas? Tu te souviens quand on était enfant? Le soir de ton départ. J'avais fait un vœu à Métia et il a été exaucé. C'est quoi le vœu? Tu as survécu. Je suis sûre que le destin a voulu qu'on se retrouve. Ouais, ça, il y a zéro crush entre eux, vous avez trop raison le chat. Vous aviez trop raison hier soir, vraiment, il y a zéro crush. Genre, vraiment, vous aviez vraiment raison. Il y a vraiment aucune attirance. On devrait dormir. Ah ouais, genre, vraiment, que dalle. C'est purement platonique. Ah oui, 100%. Je vais arrêter de la journée. Ah merde. Dragon Quest? Je dis peut-être. Ouais, 100%. 100%, il y a une romance entre les deux. 100%. Avant la fin du jeu, il y a une romance. Bon, elle est déjà plus ou moins là quand même. Hein. Là, le regard et les visages qui s'approchent. Enfin, je dis pas comme ça avec tes potes. Ouais, je m'approche pas vraiment de mes potes comme ça en les regardant droit dans les yeux avec mes lèvres qui s'approchent, hein, vraiment. J'espère que j'attirerai moins l'attention maintenant. Vous savez, vous 100%, ils sont ensemble avant la fin. Oui, c'est, mais il y en a un qui meurt avant. Comment se fait-il que vous ayez des vieux vêtements de mon père? Oh, stylé! Avant qu'Elwin ne devienne archiduc, il partait souvent en voyage avec mon mari. Ils étaient comme des frères tous les deux. Même avec RJ, ah, avec Romain, des fois ça arrive. Avec Romain, des fois on se regarde un peu droit dans les yeux, comme ça on s'approche l'un de l'autre. Et on se dit, ouais, c'est, on est des bros, quoi. On est des bros, quoi. Mais si ce sont des souvenirs, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas de me les donner? Après, qui n'a jamais embrassé un pote avec la langue, quoi, vraiment. Votre père en aurait été ravi. Qui n'a jamais embrassé un pote avec la langue, c'est pour tester, quoi. Donc RJ, c'est pareil, c'est pour le test. Ça va très bien. Ça vous fait rire? C'est vrai? Merci, Madame Murdoch.
Oui, merci. Nous apprécions. C'est la base. Ah oui, c'est la base. Non, c'est à moi de vous remercier. En Russie, ça se fait. Même si c'était un moment fugace, j'ai eu l'impression de revivre des moments heureux. Ah oui, logique, oui. Ça, c'est à cache vraiment un truc ou pas? Soyez heureux. Pas l'impression finalement. Monseigneur et mademoiselle. Vous aussi. J'ai tout visé sur oui, je vais regretter. Mais non, ça va le faire, on va les avoir les 2500. Vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus par la prédit. Je vous jure, vous n'allez pas être déçus, vous allez voir. Il faut sortir du hameau côté nord pour se diriger. On retourne vers Fort Phoenix? Ah ouais. Fort Phoenix, c'est... Le Fort Phoenix. Donc là où, c'est où tout a commencé, vraiment. On retourne là où tout a commencé. Il est BG dans cette tenue Clive. J'aime beaucoup Jill. On trouve tout choupi. Hop. Le jeu est tellement joli. La musique est tellement jolie. Tout est apaisant. Qu'est-ce qui se passe? Je n'y crois pas. Vous êtes bien l'aîné. Sur quoi est perdu? Ça est très cher. Ça copine et toi. Vous faites erreur. Ah, je ne pourrais me méprendre, seigneur. Ce sont les vêtements de feu l'archiduc. Un style bien vu, Andouille. Précieusement pendant toutes ces années. Je sais pas si ça fonctionne, les alertes. Les a gardés à votre attention. Je vérifie s'il n'y a pas eu de don à chaque fois, on sait jamais. Jamais. Non, il n'y a pas l'air. Ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est absurde. Ça n'a pas l'air de fonctionner incroyable. Encore. Là, pour le coup, ouais, non. Vraiment. Bah. Je sais pas si ça fonctionne pas. Plus, 50k qui sont dans l'après-dit, à dans 1h40, ça va le faire. Mais pourvoyeur. Il y a plein de gens, vous avez mis non, on n'aura jamais les 2500. Comment ta progression? Bah là, je sais pas si les alertes sont réparées ou pas, faut attendre que quelqu'un fasse un don. Et si ça fait ding, c'est que c'est réparé. Si ça fait pas ding, c'est que c'est pas réparé. Voilà. Pardonnez-moi, wow. Monsieur le maire. Incroyable la déduction. Cela en détail. Je demande au staff. Là, je sais pas si c'est réparé ou pas en soi, Kéoxyde. L'archiduché de Rosalia, notre village accueillait les pourvoyeurs qui n'avaient plus d'endroit où... Là, ça s'est mis à jour sur la cam, en tout cas. Enfin, il manque 2 euros, mais... Forcément, les choses ont bien changé pour ces pauvres airs. Si on aura forcément les 2500, mais pas dans moins de 2 heures, malheureusement. Ah, tu sais pas? Il y a 13 ans. Tu sais pas? Lors du chaos de l'invasion de Rosalis par le royaume de fer. Tu sais pas? Exact. Kaoxide, tu peux MP Balkany pour lui dire qu'il y a du défiscalisage à faire sur la chaîne, s'il te plaît? Tu peux lui envoyer un MP, salut Patoche, chez où est-ce que tu peux défiscaliser le live de Xabab? Musrecher! Ils auraient dû repartir une fois les choses rentrées dans l'ordre, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Rosalia est devenue une province de Sambrec, et la confusion d'accord. Qui a suivi l'annexion a rendu les choses... Donc Rosalia a été annexée, mais ça c'était logique. Pour mieux vous expliquer, en temps normal, nous sommes censés renvoyer c'est les titan. Pourvoyeurs sans maître au gouvernement général provincial qui est l'autorité régissant Rosalia actuellement. Mais quand nous avons vu la manière atroce dont l'Empire traitait ses pourvoyeurs, nous n'avons pu nous y résoudre. Et depuis, ils vivent parmi nous. Je comprends mieux la situation. J'ai donc une faveur à vous demander, Seigneur Rosfield. Pouvez-vous les prendre sous vos ordres? Beaucoup d'entre eux étaient au service de l'archiduc de Rosfield. Aussi, j'imagine qu'ils seraient ravis que vous deveniez leur maître, vous qui êtes l'héritier d'accord. De cette... D'accord. J'ai pas compris, on doit recruter des gens. Salut, Demiou. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Ils ne seraient pas en sécurité. Je... Ça voit bien viande, là. Veuillez excuser mon irrévérence, oubliez ce que je vous ai dit. Je vous en ai trop demandé, je m'en rends compte. Cependant, j'aurais un petit service à vous demander, si je puis me permettre. Ok, Calypso. Si ça reste dans mes cordes. Parmi ces pourvoyeurs, il y a un vieil homme animé d'une loyauté exceptionnelle qui ne jure que par feu l'archiduc. Ouais. Je ne vous demande pas de redevenir son maître. J'aimerais juste que vous le rencontriez. Qu'il puisse voir que vous êtes toujours en vie. Ce serait Murdoch. Vous êtes le j'ai compris. Craché de votre défunt père. Ouais, il mettrait en avant un personnage. Ça serait un honneur. Merci, Seigneur.
Cet homme passe la plupart de ses journées près du puits du village. Non, ça a pas l'air d'être le cas, sinon... Vous serez très reconnaissant d'aller lui faire un petit signe. Bah, go, hein. Souvenir à Rosalia. Il y a un vieil homme qui nous attend près du puits. Regalypso. Le portrait craché de mon père. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Ok. Surtout habillé comme ça. Très bien. Allons saluer ce... C'est très joli, hein, quand même, encore une fois. Regardez. On passe l'hiver avec cette récolte. Les décors sont magnifiques, je trouve. C'est très très beau. C'est qui du coup ? Adrien Box. C'était bien les jeux de société ? C'était sympa, ouais, c'était bien sympa. Il n'est pas là. Je ne peux pas partir sans le rencontrer. Surtout après l'avoir promis au maire. Cherchons-le encore un peu dans les environs. D'accord, cherchons dans le coin. Quelqu'un doit bien l'avoir vu. Ok. Il faut trouver le mec qui nous cherche. Tiens donc, vous n'êtes pas du village. Que faites-vous, chance samouraï. Voyageurs. Nous recherchons un vieux pourvoyeur. Ne l'auriez-vous pas vu par ici, par hasard? Ah, vous devez parler de l'homme qui est toujours près du puits. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que vous lui voulez, si je puis me permettre? Seriez-vous aussi de Rosalys, tous les deux? Relight. Oui. Plus ou moins. Alors ça fait plaisir de voir des gens de Rosalys. J'habite aussi tout près du château. Ah, j'allais me demander si ça marchait. Et je regrette amèrement le règne de notre bien-aimé archiduc. Depuis son décès et notre annexion par Sambrec. Ah, merci Eclatax pour les 20 euros. Le fléau noir ravage nos récoltes, mais... Mais pourquoi Eclatax, il est même pas sur le live. Merci Netri Alex pour les 10 euros. Les gens d'autrefois. Excusez-moi. Merci Gladax pour les 20 euros qui veut se faire rename. Ah, c'est doux. La quête du coup d'heure bavard, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Nous allons continuer notre recherche. Merci bien. Merci d'être avec sur les 10 euros. Et on est presque à 2100. Hein. Et relax Rolly, je reste pas, je comprends. Pas de spoil. Des bisous. Hop. On va parler à lui. Merci d'être Alex. Et merci Eclatax du coup pour les 20 euros. Je suis pour vous. C'est qui qui a voulu. Mais je comprends pas le accès sur Baba. N'auriez-vous pas vu un pourvoyeur dans les... Ça va et toi? Pas ça coûte 10k pour avoir une emote en 24 heures. Non, pas encore vu aujourd'hui. C'est une question que je faisais, j'en sais rien parce que personne n'utilise ces récompenses là. C'est tout. C'est KM. Cuisine imaginaire. Sa cuisine? Oh, il travaillait dans les cuisines du château de Rosalys à l'époque. D'accord. Et il en parle toujours. Il dit que l'archiduc le complimente, comme s'il y était encore. C'est... Il vit dans son... C'est un mec qu'on connaît ou pas? Il est plus heureux dans son monde, j'imagine. Merci beaucoup pour les dons. En tout cas, ça a l'air de remarcher. C'est ça a l'air de remarcher. Sembrer quoi? Pas vrai? Sur le site, ça fonctionne, je pense. En tout cas, il doit pas être bien loin. Il est pas vraiment... Ouais, il manque 2 euros d'après le site qui sont pas passés sur la cagnotte. Mais bon, ça se mettra bien à jour au fur et à mesure. Un petit coup de mou, t'as rentré du taf. Je le souhaite quand même. Attendez un instant. Le jeune Patrick, l'éleveur de Chocobo, lui sait peut-être où il est. Il a pris ce vieux coucou sous son aile, si je puis dire. Il doit être à l'écurie. Vous devriez aller lui demander. Patrick, l'éleveur de Chocobo. On y va, merci. Ok, faut aller voir Patrick, l'éleveur de Chocobo. Là, c'est vraiment... On est vraiment dans le creux du jeu, il se passe pas grand-chose. Je te laisse tout faire à ma place. J'aime bien parce que ça creuse un peu la relation de Jill et Clive. J'aime bien, hein. J'aime bien. Yep, je suis rentré, bon, tant mieux. C'est pas pour les donation goals, il y a quoi? Pour l'exclamation goal pour les donation goals. Là, le prochain donation goal, c'est un let's play visage. Oh putain, ça merde. Je veux pas faire visage. Je vous le dis vraiment, genre, Je l'avais lancé l'année dernière en live, j'ai vraiment pas réussi à aller très très loin. Je veux pas jouer à ça. Oui oui, ah non non. Quand on fait les dons, point d'exclamation, don. Point d'exclamation, don, et vous cliquez sur le lien. Ah, visage, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. J'ai... Ah si si, ah non non. Ah non non, je vais me chercher un petit truc à boire, je reviens. Ça va? On va relancer ce soir, tu penses? Non, attends demain. C'est quoi?
Ah ouais. Bravo. Allez, on atteint les 3000 euros de dons. Mais non, on atteint les 10 000 ce soir. Enfin. On atteint les 10 000 ce soir. Merci Romain Jacques pour les 15 000 euros. 15 000 euros, c'est un jour de son salaire. Donc voilà, il peut se le permettre. C'est chaud pour 15 000 euros pour en un jour. C'est ce que tu fais de toute façon. Tu peux le dire. Vas-y, viens Romain, on fait un jeu. On fait un jeu. Regardez, on va faire un jeu avec Romain. Là, en direct, devant des gens, la plupart te connaissent. Je vais révéler mon salaire Twitch et tu dois faire de même dans la foulée, ok? Dernier mois? Mon salaire Twitch, ouais, du dernier mois. Mon salaire Twitch du dernier mois s'élève à 20 euros. Voilà, pour être tout à fait honnête, en toute transparence, à toi. Moi, c'est... Ok, bah voilà. 10 euros pour Romain et 20 euros pour moi. Voilà, voilà, c'était un petit jeu pour vous révéler un petit peu des exclus. Alors, fais plaisir. Mais heureux. Ouais, vas-y. Merci. Bah, de rien, hein. L'intervention parce que les gens veulent savoir. Et comme ça, les gens ils savent ton salaire, ils sont contents, tu vois, ça fait plaisir. Pourquoi tu voles Monsieur Ourson? Pourquoi tu fourres Monsieur Ourson? Il vient de fourrer Monsieur Ourson? Tu l'as souillé, Monsieur Ourson, tu l'as fait jouer. Non. Waouh. Ah non. Non. Il a souillé Monsieur Ours. Oh, je suis choqué. Je pensais pas voir Monsieur Ours se faire souiller. Je vais me chercher un truc à boire. Cette scène est insoutenable. Monsieur Ourson s'est fait fourrer par un Suisse. Bien fait pour Monsieur Ours. Allez. T'es un gros bâtard. Non, j'ai pas pris. J'ai pas pris. Merci Mr. Beats pour les 1€, it's all I got, sorry, you're a liar. Non mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non. Non. Oh le... Un connard. La récompense a été validée, je refuse, c'est pas une démocratie ici. T'as cru que c'était une démocratie et qu'on pouvait faire n'importe quoi? Ça va pas bien. C'est screen? Non? Non, y a pas? Non, y a pas, c'était écrit. Non, y a pas? Y a pas, ça a été pris. Et c'est comme si Kaoxyd il allait faire un barbecue avec la police. Il peut pas faire un barbecue avec de la viande volée. Mais où est-ce qu'il a bien non pu passer? Finalement, t'as acheté la grange, j'ai rien acheté. Excusez-moi. C'est Romain. C'est Romain. Y a-t-il un problème? C'est encore ce sacré pourvoyeur. Je le quitte des yeux 2 secondes. Demain, je lui nique son stream. Pour disparaître. Demain, son stream, c'est la. C'est mort. Est-ce qu'il aurait quitté le village? J'ai rien. Il a le sourire jusque-là, vraiment, ça me termine. Oui, mais. Un jour, je l'ai déjà pris, la récompense Team Renard, de toute façon, mais il n'y avait personne sur la chaîne. Je l'ai pris la première minute et personne l'avait vu. Quoi? Ouais. Un jour, je l'avais vraiment pris, la récompense Team Renard, au lancement d'un de mes lives à 6h du mat. Mais personne l'avait capté, j'avais validé la récompense sans que les modos le voient et tout. Mais ça, personne l'a jamais su. Et ça se trouve, actuellement, je suis en train de mentir, vous ne le saurez jamais. Allez. Le pourvoyeur que vous cherchez, c'est bien le vieil homme qui travaillait dans les cuisines du château de Rosalys, non? Oui, c'est bien lui. Comment savez-vous tout ça? Je vous ai jamais vu à l'estange auparavant, mais vous semblez connaître le patelin mieux que moi. Il veut quoi, lui? J'ai rien fait, Kaoxyd. Ouais, j'ai l'impression que la cagnotte elle a monté. Ah oui, avec Mr. Beats, c'est vrai qu'il y avait Mr. Beats qui a donné 1€. N'hésitez pas à faire un don pour l'association, pour la fondation Analgesia. Ah, d'accord. N'hésitez pas à donner 1€. 2€. 3€. Ah bah voilà. Bah c'est parfait ça. Merci le débile ourson pour les 2€. Comment on fait les dons? Ah, comme ça. T'as vu que je suis là, j'ai retrouvé le smile. Merci Light. Disant que les gens du château viennent le chercher. Il a du mal à faire la différence avec son âge grandissant. Mais s'il est. J'en fous des screens, c'est une dictature ici. Pour lui. J'ai plus de sous à blanchir. Kaoxyd, t'as pas des potes politiciens là? Qui ont un peu trop de thunes?
Continuez à le chercher ici. Nous allons voir Alexandre. T'as pas des gens de ton parti politique qui ont un peu trop d'argent à blanchir ? J'espère qu'il ne s'est pas attiré d'ennui. Ok. Quoi qu'il en soit, partons à sa recherche. Trouvez le vieux pourvoyeur. Hop. Abreuvez-vous. Il n'a pas l'air de... Oui. Continuons à chercher. Je vais demander, je pense. Merci Ourson Teuteux pour les 3,14€. Et c'est qui s'appelle Ourson Débile, Ourson Teubé? C'est Kalia, ça? Elle est là, Kalia? C'est qui se rename Ourson Teubé, Ourson Teuteux, Gros Con d'Ours? Ouais, c'est Kalia, ok. Gros Con d'Ours, merci Kalia. Les ours puent la merde. Arrêtez de faire des dons avec des pseudos de merde comme ça. Je suis le deuxième, le premier c'est pas toi. Arrêtez et prenez des vrais pseudos. J'ai c'est le streamer Fortnite full top 1. Oui. Je suis rename sur ton Discord, joueur pro Fortnite. Voilà, comme ça les gens ils me reconnaissent et tout, c'est moi. Les gens ils m'abordent dans la rue, ils font hey, c'est toi qui as fait un top 1 à Alive ce matin. Et je suis là, yes. Tout à l'heure je suis allé prendre ma douche, vraiment, je vous raconte la scène. Je sors du pôle pixel. Je sors du pôle pixel. Déjà il y a Taz sur le trottoir qui déchire sa chemise. Il fait Xabab, je t'aime, tu as fini top 1 à Fortnite. C'est incroyable. Là il y a un bus qui drifte devant moi. Des femmes en délire dans le bus, vraiment toutes en train de hurler Xabab, la légende du top 1 de Fortnite. Elles étaient comme des folles, vraiment en liesse. Le chauffeur du bus, dites-vous bien, le chauffeur du bus Emmanuel Macron, la chemise ouverte, qui me regarde et qui fait hey Xabab, bien joué le top 1 de Fortnite ce matin. Tu voudrais pas prendre la place de Brigitte? Et vraiment il repart avec le bus et tout. Moi je me dis bon c'est fini. Là je vois un avion qui se pose devant l'hôtel. Je suis là, putain, mais moi je veux juste prendre ma douche. Là je vois un mec qui descend. Qui à votre avis? Qui descend? Et oui, the fucking president of America qui me dit hey, you are Xabab, you're the famous top 1 Fortnite player. Et il me dit oh please come to America for playing in my e-sport team. Et je fais non putain, là je veux juste une douche, laisse-moi tranquille. Il est reparti en avion et tout. Les aliens qui ont débarqué, ils m'ont fait... Ce qui veut dire en alien, c'est vous le pro player Fortnite, venez vite dans notre équipe e-sport de la galaxie. J'ai fait non, non, je ne peux pas, c'est pas mon... Ce n'est pas là qu'est mon destin. Incroyable, vraiment incroyable. Je me dis bon, c'est fini, je prends ma douche, je ressors de l'hôtel. Un trou qui s'ouvre dans le sol, des flammes qui sortent et là Satan en personne qui émerge du trou comme ça, qui me fait... Xabab, on est une équipe e-sport aux enfers, tu ferais un carton d'enfer. Genre, je fais, Satan, franchement, t'es van, arrête, ça fait des milliers d'années qu'on te dit stop. Et il repart un peu bougon et tout. C'est une dinguerie ce qui m'arrive depuis ce top 1. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Sachez qu'il ment, mais t'as pas de preuves. Ah, je veux dire, sors les preuves à un moment. Je veux bien mentir, mais sortez les preuves. Ça me rappelle la légende de la Zilane. C'est là qu'est née la légende de la Zilane. Sachez que quand je suis rentré ici, Romain, il m'a dit, c'est là que Zerator, il a dit que j'étais la légende de la Zilane. Et j'ai léché le sol. Pour être un peu en symbiose avec la légende. J'ai slurp le sol. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. C'est ce que me dit ma fiancée le soir. D'abord, quand je sors de la douche. On parlera après. Ça l'a fait beaucoup rire, visiblement. Urani, elle me dit ça. Le soir. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Ok. La fiancée qui a oxyde. Éliminer les monstres. Le vieux pourvoyeur, il serait dans le coin? C'est qu'on cherche qui veut se remémorer le passé de Clad. De Clive. Qu'est-ce que je dis Clad? Clad, c'est pas le même. Ils sont trop nuls, les loups. Oh, stylé. On se revaincu. Et je rappelle que vaincu, ça fait quand même 40 fesses. Comment ça, Romain, t'as la chiasse? Je sais, mais j'en parle depuis tout à l'heure. Hein. Je l'affiche. Alors, rentrons à la maison. Y'a pas de problème. Non, mais moi, je l'affiche depuis tout à l'heure, ça me fait juste un peu rire. Vous êtes enfin revenu. Oui. Je vous ai attendu. Attends, y'a quoi? Mais vous voilà. Merci Kalia pour les 20€. Je ne suis pas qui vous.
Gomery Naim sur Didi, Mecha Phantom Beast, Jacques Luslan. Aujourd'hui, il pète des câbles, ça me termine. Aujourd'hui, il fait une PTSD, je sais pas ce qu'il a. Ok. Moi, j'aimais bien le pseudo de Kalia actuellement, mais bon. Jour Alex, c'est Lex. Vous avez tous des pseudos qui sont incompréhensibles sur Discord, c'est génial. Les pseudos, ils veulent rien dire. Il n'y a que aujourd'hui qu'on comprend les pseudos. Ça va, vous, le chat? Merci beaucoup, on a atteint les 2100€. Hein. Merci. Merci. Merci quand même. On en profite, mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir atteint ce palier de donation. C'est énorme. Je tiens à vous remercier d'être présent quand même ce week-end. Je ne pensais honnêtement pas, comme on a fait Battle 4 il y a récemment, j'ai vraiment hésité, hein, je vous en disais, de faire deux événements caritatifs presque à la suite. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hésité de fou à faire les deux à la suite. Mais je ne pouvais pas ne pas faire un live pour ce qui s'est passé l'année dernière, parce que un live c'est important pour moi dans ma vie de streamer et c'est important ce qui s'est passé. Et sans mentir, pour Urani. Voilà. Je me dis aujourd'hui, c'est pas ouf. Ça me fait un peu chialer, mais je le dis, c'est aussi pour Urani que je suis là avant tout, et j'ai pas honte de le dire. C'est surtout pour ça. Clive. Et donc je suis très content, merci d'être au rendez-vous, parce que ça a une certaine importance. Sans rentrer dans les détails, évidemment. Oui, désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, votre majesté. J'ai prié toutes ces années pour vous revoir. Donc merci à tous, voilà enfin pour les 2117 balles. Et c'est beau. Nous allons pouvoir retourner au château. Et c'est beau. Je vais reprendre mon travail. Je vous remercie énormément. C'est qui lui, par contre? Cher ami, nous ne pourrons pas retourner au château. Pas encore, mon long voyage n'est pas terminé. GG à toi, non, GG à vous. Un certain temps. GG à vous. Pourriez-vous attendre mon retour encore quelques temps? Ici, à l'Estange. Je reviendrai vous chercher. C'est promis. GG à vous. Parce que sans vous, il n'y a pas ça. Bien sûr, votre majesté. Sans vous, il n'y a pas l'événement caritatif. Sans vous, j'y suis pas. Sans vous, il n'y a pas les dons, sans vous, il n'y a rien. Moi, je suis juste là, je fais le pitre et je joue au jeu que j'attends le plus cette année, c'est tout. Merci Citro pour le follow, c'est tout. C'est tout. Kyroxid, sache que sur le Cult of the Lamb, à la fin, il s'est marié avec toi et après, il t'a sacrifié. Oui, mais je voulais juste lui rouler une galoche. Merci à vous deux. Votre gentillesse. Pardon, je peux pas faire ça. Je comprends, Lula, y a pas de problème. De feu, l'archiduc était déjà, la présence, c'est bien. C'est énorme. Vivre dans cette fantaisie était sa seule solution. Ce n'est qu'une chimère, bien sûr. Là, c'est parce que tu apportes beaucoup au quotidien. Oui, mais c'est aussi grâce à vous. C'est valable pour nous tous. Je comprends pas ce que je voulais faire avec le vieux, du coup. Le fléau noir est. C'est très nostalgique, ce chapitre. Nos récoltes se meurent. Les gens désertent les lieux. D'accord. Il y a un truc si au fort. Si Murdoch n'avait pas vendu ses biens et eu la bonté d'en faire profiter ceux qui avaient décidé de rester, la vie ici ne serait plus possible. Salut Ron. Nous voulons nous occuper des pourvoyeurs de tout notre cœur. Mais, à moins d'un miracle, nous ne serons plus en mesure de partager ne serait-ce qu'un bout de pain à ceux. Grâce à toi, on fait de belles rencontres. Ça, c'est vrai, par contre. Hein. Je suis content. C'est si grave. Ça, c'est marrant. Si grave. Il y a tellement de liens qui sont créés dans la commu. Mais vraiment, hein. Mais ils ont cessé de nous écouter. Ça, c'est un truc de dingue, hein. Que nous étions des fidèles d'Elwyn. Ils nous ont traités de ducalistes. Ça, c'est un truc de dingue. Des amis, des couples même, et ça, c'est ouf. Je connais un certain Cid qui serait ravi d'accueillir tout pourvoyeur dans le besoin. Ce serait bien pour eux. Dès que je reviens du Fort Phoenix, ça, c'est un truc de ouf. Merci, Seigneur. Vous arrêterez-vous à l'Estange à votre retour? Je serai très heureux de pouvoir rediscuter avec vous si vous avez le temps. Pour parler du futur de ce village et de ce qu'on pourrait faire pour cette chère Anna, pour la remercier. Donc là, en fait, Anna, donc la veuve potentielle, parce que moi je crois pas à sa mort, revoir, du capitaine de la garde, a vendu tous ses biens pour essayer de maintenir le village un petit peu à flot. Ok. En bas de level. Vous êtes un peu des bâtards, hein. Donnez un peu le level. Ça finit à quelle heure les jeux pourris? À 2h du matin. À 2h du matin. Ouais, Valek. Ça me fait du bien de me dire que ça marche. Et en vrai. Je sais pas combien on était l'année dernière le samedi soir.
sais pas si on peut battre le record de l'année dernière. En vrai, on s'en bat les couilles. En vrai, je veux dire, si je bats le record, je suis content. Si on le bat pas, le record, c'est pas grave non plus. Hein. Si on bat pas le record de l'année dernière, c'est pas grave non plus, mais. Ouais, je sais pas combien on était. Alors que la Terre est comme ça, on ne peut plus. Regarderai, je suis curieux. Je sais pas du tout comment je pourrais retrouver ça en vrai. Plus de vie. Le seul bon côté, c'est qu'il n'y a plus de monde. T'as joué FF16 après. Ouais. Putain, c'est devenu une terre brûlée en fait, aux alentours du fort. C'est ouf. Donc là, le fort, c'est là qu'il y a eu la bataille au tout début du jeu dans le passé de Clive. Qu'est-ce que c'est ? Encore une ruine céleste. Encore ? Comment ça encore ? J'en ai jamais croisé. Il a dit que c'était facile de quoi ? Merci, Sushi au saumon. Hop. On ne peut pas faire appel à la magie ici. Non, il n'y a pas assez d'éther. Ok. Sans éther, pas de magie ni d'être vivant. On peut pas faire de magie ici. On peut faire que la bagarre avec l'épée. Parce qu'il n'y a pas d'éther. Ok. Donc c'est vraiment une terre morte. Intéressant. L'endroit devait être verdoyant autrefois, avant le passage du fléau. Mais le fléau, c'est quoi exactement ? On a une idée du fléau ? Les terres mortes. Le nom donné aux régions d'Ekati atteintes par le fléau noir et où la vie n'est plus en mesure de s'épanouir. Ces terres se sont assombries pour ne laisser que des paysages désolés, une transformation si profonde que même la magie n'y opère plus. Incapables d'y survivre, les peuples entiers les abandonnent à la recherche d'endroits plus fertiles, tandis que de dangereux monstres y élisent domicile. Ces dernières années, l'accélération du phénomène a accentué cet exode et provoque maintenant d'inquiétants troubles géopolitiques. Ça devait être... D'accord. Ça a provoqué un certain exode. C'est derrière. Plagia Breath of the Wild, parce que le mot fléau c'est ça. Ok. Si vous voulez. Là je peux de nouveau faire de la magie non? C'est encore les terres mortes là non? Là on arrive au fort. Il est trop mignon le dogo. Algor. Nous y voilà. Le fort phénix. En vrai, il reste une heure avant, avant la fin de l'après-dit. Ça va être chaud hein, quand même. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Une heure avant la fin de l'après-dit. Courage, Clive. Ça va être chaud du cul. Il est temps d'affronter ton passé. Ok. It's time to affronter le passé. Comme dirait un grand philosophe, le passé c'est le passé. Il y a qu'à toi que je peux me confier. Quand je suis seul déjà, je pense à toi. Et ça fait boum. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Je pense que pour le JDR, je vous enverrai raid la chaîne principale et j'arrêterai ma chaîne. Parce que je pense que j'irai me coucher après le JDR. Je pense que je reprendrai pas après le JDR. Hop. Parce que j'ai quand même dormi que 2 heures. J'ai entre vendredi matin et actuellement, j'ai dormi 2 heures. Donc je pense que cette nuit, ouais, après le JDR, je pense que j'irai dormir. Enfin tout ça, mes messages d'amour, j'adore toute la commu. Ouais, moi pas tous, hein. Y en a un j'aime pas. Un ou une, je dirais pas qui, mais y en a que j'aime pas dans la commu. Mais je dirais pas qui, Calypso. Je dirais pas qui. Hey, mais tu vois avec ma bouffe, arrête de manger des knacky balls aussi. Qui? Mais je vais pas dire qui j'aime pas dans la commu. Arrêtez. Y'a une personne que je peux pas blairer, mais je vais pas dire qui c'est. Non mais on veut les noms, je vais jamais dire que c'est Kaoxide, enfin vous êtes malade, je le dirai personne pas. Personne n'avait de raison de revenir ici. Ouais. Je dirais rien. T'es resté tel quel. Et en vrai, Oxira et Enrand, vous trouvez que c'est bien qu'ils gardent leur pseudo sur Discord? Allons jeter un œil. Je te le rappelle pas. Ah, c'est si. C'est moi qui ai fait ça. C'est terrifiant. Non, ils font pas assez Yu-Gi-Oh de quoi. Les pseudos. Et Nixie. Non mais c'est vrai que Wakzira il a toujours son pseudo de base hein. Wakzira sur Discord il s'appelle Wakzira. C'est vrai que c'est bien Wakzira comme pseudo. Qu'est-ce qu'il y a, Talgor?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah. C'est lui. Oh, il va se passer des trucs. Il va se passer des dingueries. Il faut qu'on le suive. Donc là, c'est les ruines du château du début, hein. Là où s'est passée la grosse bataille. Les Romains, ça avance. Il est où? Propose-nous sauter au wok. Ah mais après, moi je rename s'il y avait un autre don comme pour les autres. Hein. Je sais pas pourquoi Wok Zira il serait en promo. Hein. J'ai envie d'un dessert, j'ai pas mangé de dessert. Ça y a des desserts. Bonne attaque Anna, tu vas jusqu'à quelle heure? 22h30, je vous envoie sur la chaîne principale, je fais du JDR là-bas après. C'est vraiment un fort ici? On dirait une sorte de temple. Ah, oui, toi t'as déjà un pseudo ravagé donc... C'est la première fois que tu viens. Ce bâtiment abrite une porte. Une porte? Oui, un portail de l'époque des Célestes. Seul l'émissaire de Phénix peut l'ouvrir. D'accord. Le nom de Fort Phénix. Alors c'est ici que Joshua devait... Oui. Il devait franchir cette porte et entrer dans le Sacrarium pour recevoir l'augure martial. Et tu devais l'accompagner? Non. L'intérieur est un lieu sacré. Seul l'émissaire peut entrer. Le rôle des gardiens était de servir d'escorte. Ça rappelle un peu FF10. De prier pour que le rituel se déroule. Le passage. Oh. La porte où seul l'élu peut entrer, ses gardiens restent à l'extérieur. Peut-être de l'autre côté. Pour recevoir une force sacrée. Ça m'étonnerait. Merci Noxcraft pour le follow. Seul Phénix pouvait l'ouvrir. Tellement beau. D'ailleurs, sur mon snap, je vous donne la météo du Dogecoin. Moi, j'ai adoré. Vous avez vu, j'ai vu une vidéo. Chaoxide, est-ce que tu penses que tous les bitcoins se valent? Ou est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des sites de bitcoin qui nous arnaquent? J'essaye de le faire sortir du chat. Il bosse trop, Chaoxide, en ce moment. Il est plus dans le chat, il est plus jamais là. Il est dans l'ombre, il faut l'appeler, il faut le tirer. Il bosse trop maintenant. Tu veux vraiment entrer? On va les mettre dans un verre d'eau. Il le faut. À tel moment où t'es passé Timon d'Arme, il y a pas eu de moment où je suis passé Timon d'Arme. Lui bossait, ah oui. Vous voulez que j'amène Chaoxide au travail? Bon, on est rentré dans le sanctuaire. Ok. Est-ce que vous voulez que Chaoxide il aille au travail? Vous voulez que Chaoxide il aille au travail ou pas? Vas-y, j'amène Chaoxide au travail. Faut l'amener au taf. Faut l'amener au taf, Chaoxide, parce que là, en ce moment... En ce moment, il travaille pas beaucoup. C'est quoi ça? C'est de la techno, c'est pas un bruit de moteur. Ça sent de moteur et ça me chante une chanson à la con. Je veux un bruit de moteur, moi, voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est mieux. Allez, j'amène Chaoxide au travail. Allez, on y va. Allez, allez avec Chaoxide, on va au taf. Allez, on va au bureau. Putain, il y a un renard de merde dans la Tesla. Putain, bâtard, va. Il est malade, lui. C'est bon. Allez, vroom dans la Tesla. Vroom. Allez, on va au bureau avec Chaoxide. Allez, tous au bureau avec Chaoxide. Allez, c'est bon, on est arrivé. Hop, je me gare. Et voilà, Chaoxide est arrivé au bureau. Sain et sauf. Chaoxide, t'auras pas la retraite à 66 ans. Ah, mais non, lui, non. Je veux dire, ça pas de bruit sur le périph' parisien. Alors après, de toute façon, t'as pas ta Tesla, donc tu fais pas de bruit avec.
J'ai volé une pomme pote. Allez, un fan de FNAF. Ok. J'ai volé la pomme pote. Non, mais je volais juste une pomme pote. C'est moi. Juste parti voler une pomme pote. Encore une. C'est le même mécanisme que tout à l'heure. Tu fraudes, tu vois. Mais en vrai, j'ai pas vraiment volé. Elles sont à disposition. Salut, Zaxray. Elles sont à disposition. Pas voler vraiment. Oula, ça pue le boss. Ça pue le boss. Différent des autres ruines. T'as fraudé cette fois? Non, j'ai rien fraudé. Parfaitement préservé. Ça sent le boss là, non? Mais à quoi pouvait servir cet endroit? C'est une pomme pote à la fraise. Non mais les statues cheloues, c'est des boss, hein. Non ? Bien sûr. Oh, c'est un boss. Hyper incroyable. Cette grande salle ronde était en fait une salle d'affrontement. Non, ça va pas être un boss. Des anomalies. Ok, ça a pas l'air d'être un boss, mais on a quand même un affrontement pour le moment. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de boss quand même. Ça fait bien longtemps qu'on en a pas eu un. Hop, ça part. Ça ressemble à des araignées, oui, mais ça n'est pas des vrais. C'est tout ? Un petit foutage de gueule là. C'est clairement manipulé, guidé par l'autre capuchon. Ah oui, clairement. Oh, il va y avoir des boss, c'est sûr, non? Ok. Ok, la sphère, ça dégage. Ça dégage aussi. Putain. Ça part. Ça part. Gain de level. Niveau 21 pour Clive. C'est propre. C'est très très bien tout ça. Et il n'y a pas qu'elle. Et là, c'est une porte. Cet endroit fonctionne comme si rien n'était. Ok. Étoile de la mort plus sabre laser égale plagiat Star Wars. Bah oui. Ça me fait penser au logo de Wikipédia. Une planète. Wikipédia qui a inventé les sphères. Hop. Et ça le défend. Ça fait mal. Ils sont trop nuls. Je comprends pas l'intérêt des sphères de défense. Ça va être une unité de soutien, mais je comprends pas trop. Hop. Ok. Ça, ça part. Ça gagne pas grand chose en termes d'XP quand même. Ça gagne pas grand chose. Ok. Là où? Let's go. Ça c'est un boss. Ça c'est un boss, hein. Ça c'est 100% un boss, hein. Non? Non, c'est pas un boss? Ça a la gueule d'un boss? Ouais non, il est un peu petit pour un boss. C'est un gros ennemi bien viande, quoi. C'est un gros ennemi bien viande. Ah, quel truc de merde. Dommage. Ok. Je fais n'importe quoi. Ok. N'importe quoi. Focus. Et tiens. Là je l'éclate. Ok.
J'ai réussi à me piquer. Moi, tu parles de ça dans le chat. Bravo. Je pensais pas que t'en parlerais dans le chat, mais bravo. T'as réussi à te piquer. On dit. Tu sais que ça pourrait passer pour autre chose, hein. Fernis fait des piques pures. J'ai besoin de soutien, bah. Force, évidemment. Mais si tu veux qu'on en parle, on en parle, hein. Y'a pas de problème, hein. T'en auras du soutien, hein, si tu veux. En 2-2, hein. Hop. Ok. Tac. Ok. Vas-y, bam! Tac, 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 tac. Tac, tac. Allez, il part, lui! Ok, il est crevé. Bien qu'il Essayons d'avancer, quoi qu'il en soit. Essayons d'avancer, quoi qu'il en soit. Ça, c'est un coffre. Évidemment. J'aime pas, il y a des trucs que... Attendez. En termes d'équipement, je peux pas. J'ai pas, mais putain, je mets aucun collier depuis le début. Je suis vraiment un teuteux, hein. Ouais. Il y a rien d'incroyable, je trouve, non, quand même. J'aime bien ça, en vrai. Et ça, du coup. Permet d'esquiver automatiquement une attaque ennemie esquivable. Mais c'est débile. Attends, t'as un anneau qui permet d'esquiver automatiquement les attaques esquivables. C'est pour rendre plus facile le jeu, j'imagine. Prendre pour ça, moi, augmenter la défense de 10 points. Hop. Vous avez fait une P4. Une P4. Ping. Aurélie, bonjour. Se piquer. C'est-à-dire que c'est Urani s'est mis une aiguille dans la cuisse toute seule. Voilà, donc elle a du courage. Globalement. Parce que les gens vont penser que les gens vont penser que t'es une camé en fait. T'as fait une P4. Non, j'ai pas compris. Ah, une personne à 4, parce que oui, d'accord, je vois. Non, mais pas pareil. Ça gâche parce que ça passe sur une soif, oui, c'est vrai. Non, j'ai pas envie d'améliorer ça. À côté, si j'améliore toutes les compétences de base, je suis content aussi. En vrai, ce sera fait. Voilà, c'est assez viande comme ça. Et après, je commencerai à améliorer le feu principalement. Hop. Let's go. C'est super joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais ça descend très profond sous la terre, le truc, non? Peut-être un peu trop. Ok. Il y en a des portes, hein. Ça ne s'arrête jamais. Oh non, pas encore des connards. Oh, des bons pots. Qu'est-ce que c'est cette fois? Oh. Ils ont l'air d'en avoir appris. On va prendre Garuda parce que je pense que le feu contre le feu. Ok. Que ça passe celui-là. Tiens. Et de 1. Je les tabasse ces bombes pour en vrai, ils sont nazes. Ils sont nazes, ils ont beaucoup de vie quand même, hein. Réchaîne nous, ça va être toi. Ça. Vas-y. Non, je vais rien faire avec ça. En vrai, ça, ça leur. Ouais, ça lui fait pas mal. Pas mal de dégâts, je veux dire. Et ok. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait en étoile? Le guacamole, c'est une formidable invention. Non. Pose ce guacamole. Pose ce guacamole. Joshua devait passer par ici, lors du rite? Non. Du moins, pas de connaissance. Qu'une heure avant la fin d'après-midi, 55 minutes. Hop. D'accord. Encore un ascenseur. Le sol bouge encore. Oui, c'est un ascenseur.
C'est magique. Faire un nouveau piège pour se débarrasser des indésirables, à moins qu'on ait de la chance. Non, étoile, pose le guacamole. Je commence à me donner. Il a pas tort, Tom, si tu poses ça. On n'en saura rien tant qu'on. Enfin, tu le, au pire, tu le manges comme ça, au moins il pourrit. Allez, pas. Pour une fois. Offre-moi un aliment qui survit. Ah. T'as un boss? Non, c'est le même que tout à l'heure. Il est chiant, lui, un peu. Il a des potes. Je vais peut-être commencer par exploser ses copains. Peut-être commencer par exploser ses copains. Ça, ça part. Ok. Je le détruis. Et de 1. On va essayer à faire les... Parfait. Hop. Je l'explose. Voilà. Allez, dégage, 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 dégage. Je l'explose ou pas là? Prof. En vrai, dans les airs, ça fait pas mal de dégâts. Ok. Hop. Il est trop chiant ce truc. Ok. J'ai pas réussi. Je me fais casser la gueule. Non. Et de 1. Je vais l'exploser, hein. Hop. J'ai pas le réflexe d'appuyer sur carré après. Ok. Salut Anis, bonjour. Je suis en train de le tabasser. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et là, bah c'est bon. Tranquille, la salle est vide. Bon, bah je pense que la prédit, c'est compliqué. Je pense que la prédit. Yona, vous allez vous mettre bien niveau point de chaîne. Yona, vous allez vous mettre bien. N'hésitez pas, point d'exclamation don, hein, peut-être qu'on peut gagner la prédit. Je pense qu'Yona, vous allez vous mettre bien niveau point de chaîne. Hein. Hop. Merci beaucoup, Caribou Chauve, pour le follow. Hop. Non. Deux ennemis en approche, tout ça. Oh, les bons pots de merde. Ça leur fait... Ouais, ça leur fait des dégâts pareils, j'ai l'impression. Hop. Vas-y, je les tabasse, les bons pots. Je tabasse. Un de moins. L'anomalie, ça part. C'est bon? Non, je peux pas encore. Il reste qui? Il reste le trou de balle là-bas. Enfin, j'ai l'impression que les éléments ça fait rien, ça change rien. Du feu ça fait les dégâts, les mêmes. Hop. Ah, mais l'après-dit vous êtes mort à mon avis. Hop. Ok. On va prendre le coffre. Hop, ténacité de Garuda, feu vengeur. Ok. Mais ça finit jamais par contre, il y a combien de salles? Super potion. Vas-y, rentre. Ok. Là, t'apprécieras, tu en apprendras des choses. De quoi? Bah, Nightwall, arrête de faire pour des trucs. Et t'es sûr que ton frigo, il est allumé, Nightwall? Merci, Taz. Merci. Merci à toi. Oh là! Ça, ça pue le boss. Oh, c'est les statues dans FF12, notamment.
Non mais ça c'est... Ça ressemble à Golbez aussi, ça ressemble à beaucoup d'ennemis des Final Fantasy. Je crois que tu avais raison. Ça c'est un boss hein. Ah, géant de fer. Merci Malcia Baila pour les 20€. Je te laisse le choix de, du rename de l'un de tes modos. Ah je sais pas, comment vous voulez qu'on rename Waxira? Merci Malcia Baila pour les 20€. Comment on rename Waxira? Oh j'ai une idée. J'ai une idée pour Waxira. Oh j'ai une idée pour Waxira. Hop. Il est où Waxira? Il est là. C'est bon, j'ai rename Waxira. Merci merci Baila pour les 20€. Merci beaucoup. Waxira a été rename. J'avais pas dit t'inquiète, je l'ai rename. Je l'ai rename, merci pour les 20€. Merci énormément. On est peu ou là? Strange Vaders, dis-moi juste avant que je te dégage, je pense. Dis-moi, ça t'apporte quoi de dire qu'on est peu sur un live caritatif? C'est quoi, ça t'apporte quoi de dire qu'on n'est pas assez sur un live caritatif? Je suis en train de récolter des dons pour la bonne cause. Explique-moi ce que ça t'apporte de dire on n'est pas beaucoup. Vraiment, explique-moi. Explique-moi. Salut Ultra Bips. Bah c'est cool justement pour parler. Non mais en quoi ton commentaire est justifiable? Lance un live et fais pareil au pire. Non? On n'est pas beaucoup pour parler, mec, t'es pas obligé d'arriver sur un live en disant on n'est pas beaucoup. Oula. Oula, on n'est pas beaucoup, c'était pas péjoratif. Si, si, c'est péjoratif de fou, si, c'est péjoratif de fou. T'arrives sur un live, on dit on n'est pas... Tu dis on n'est pas beaucoup, déjà on est 160, mec. C'est énorme, 160. Fais 160 viewers sur Twitch, et après, viens parler. Et je vois que t'as déjà été ban dev de la chaîne pour un spoil Inazuma. Ah, mais tu fais partie de la commune Inazuma. PP Axel Blaze. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Comme quoi, il y a une constante. C'est vraiment hyper... C'est hyper méchant d'arriver sur le live d'un streamer et de faire « On n'est pas beaucoup là. » Ou de faire « On n'est pas beaucoup aujourd'hui. » Ou « Putain, il n'y a personne sur ta chaîne. On n'a que 2 viewers, arrête ton live. T'as que 100 viewers, arrête ton live. Tu sers à rien, arrête. Trouve un vrai travail. » C'est de la merde. Vraiment, peu importe la tournure du message, c'est de la merde. Soit méchant, péjoratif ou pas, c'est de la merde. Mais après, c'est toujours le streamer qui passe pour un aigri, c'est ça qui est beau. Mais ça reste de la merde. Voilà. Bref. En tout cas, Waxira, son nouveau rename. T'as cucui. Eh oui, on n'est pas beaucoup si vous voulez. On n'est pas beaucoup. De toute façon, vous savez, ma chaîne, c'est un gros bide ces derniers temps. C'est ce qu'on dit. Ma chaîne est un énorme bide. Et je suis finito sur internet. Dixit, les PP foot de TikTok. Et les PP Inazuma. Évidemment. Allez, bah va regarder des lives d'Ami et Billy où ils sont beaucoup. Parce qu'ici, visiblement, on n'est pas assez pour toi. Des bisous. Et j'aurais pas dû te déban. Encore un que j'aurais pas dû déban au tribunal des bans. Comme quoi, à un moment, quand on banne des gens, c'est mérité. Ça sent que c'est les vacances qui arrivent. Hein. Je me descends pas, top. J'ai dit Dixit les PP foot sur Twitter. Sur TikTok. Et j'ai dit Dixit les PP foot sur TikTok. Merci Waxira le vrai pour les 21€. Bonjour, je suis le véritable Waxira, j'ai une preuve. Fibonacci. Je voudrais avoir comme pseudo Discord Dieu Forgeron, créateur des tyrannos, robot poney. Bien sûr Waxira. Bien sûr Waxira le vrai. Après, ton pseudo sur Discord là c'était Asperge de Neitoil et je trouvais ça plutôt pas mal, non? C'est vrai que Asperge de Neitoil c'était plutôt sympa, mais évidemment merci pour les 21€. Et putain, on s'approche des 2500 hein. Et en vrai, si tout le monde fait un petit don là, les 2500 avant 22h. Ouais non, t'aimes pas être l'asperge de Neitoil. C'est amélioratif. C'est amélioratif. Une petite asperge de Neitoil là, non? Bon, ça veut dire que t'es aussi un peu crevé quoi. Malheureusement, t'es pas en état de parler. T'as vu Neitoil ou Exira, il trouve que tes asperges sont pas très belles. Je dis ça, je dis rien comme dirait l'autre. Ok. Merci beaucoup pour les dons en tout cas. C'est tout bleu.
Non. Ok. Le Jean-Pierre, il est pas très fort, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait? Il accumule de l'énergie. On ne va pas le laisser faire. Allons-y. D'accord, faut le tabasser. Ah ouais, mais attends, mais... Mais comment je l'arrête, là? Comment je l'arrête, cette merde? Ok. Il est stoppé. Il faut en profiter. Et là, on tabasse. Ok. Je suis blessé au plus profond de mon âme, t'as vu? La musique est épique, la musique est incroyable. J'ai tout donné pour hier, ouais. Pas grave. Déjà beaucoup, merci. Hop. Ok, dégâts Toto. C'est bon. Putain, dégage. J'ai en vert là. Ok. Il m'a tabassé. Ok. Il m'a éclaté. Hop. Merci Batex pour le follow. Ok. Non. Ok. Viens là. Viens là, Boubou. Il m'éclate. Je fais de la merde. Voilà. Fini. Pa 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 pa. C'est beau. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Pouf, on l'a bien fumé. Il était vénère un peu le géant de fer quand même. Et repoporo. Et on est quand même à 2158 ans. C'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Toujours bien sur FF, bien sûr, toujours bien. Peut-être qu'ils nous voient comme des intrus. Ou bien des profanateurs. Notre présence les dérange. Jill, regarde. Je vais quand Minecraft. C'est pas ce week-end Minecraft, ce sera plus tard. Ce sera une autre semaine, un autre jour, c'est pas ce week-end. Les deux shot goals, c'est pas que des trucs que je fais sur l'event, hein. C'est une sorte Minecraft, c'est pas sur l'event. Essayons d'aller voir ça de plus près. C'est bon. Je me lance pas tout de suite dans le Minecraft. La cagnotte a avancé. La cagnotte a stonks, hein. La cagnotte a stonks. Ok, oui. Merci Valek pour les 50 euros. Merci beaucoup. Ah oui! Ah oui, ça stonks là! Merci Valek, merci beaucoup! Il y a eu des donations de gold qui ne se font pas, Nio 2. Non, si, ça se fait. Merci beaucoup Valek pour les 50 euros! Et on passe la barre des 2200, merci énormément! Merci beaucoup! Merci énormément! Merci énormément! Merci! Bah, Nio 2 a été atteint, oui. On fera Nio 2. Évidemment. Comme je vous l'avais promis à Live. Comme je vous l'avais promis à Live l'année dernière. Comme je vous l'avais promis à... J'aurai des enfants avant que tu finisses Nio 2. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de mentir comme ça. C'est pas beau le mensonge. Le mensonge, c'est moche. Hein. Vous savez que c'est moche.
Ah, c'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? C'est parti. C'est quoi cette horreur? Ok. Ok. C'est liche, une liche. Un liche ou une liche d'ailleurs, je sais même plus. Il est bien dégueulasse. Enfin, il est stylé hein, mais dégueulasse en même temps. Ok. T'explose. Tac, 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 tac. Ok. Et je la tabasse. Le 2, c'est le seul goal qui a été présent au 3ème carré d'Adiv. Non, en vrai, il était pas sur le premier, je crois. Merci beaucoup, Valek, en tout cas, encore. J'ai inventé un serveur d'armes qui fait ce Nioh 2. Mais je vais le faire, Nioh 2. Lich, il est un peu dégueu, ce mob. J'aurais une copie avant que tu relances Nioh 2. Ça se trouve, Stolixem, il aura une CB avant que je finisse Nioh 2, vous pensez ou pas? Est-ce que vous pensez que Stolixem, il a une CB avant que je finisse Nioh 2? Si vous dites oui, vous êtes des bâtards. Vraiment. Il se voit un truc en rapport avec la mort, si, si. C'est pour ça qu'il a une faux là. Oui, Stolixem aura une CB avant. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards, frère. Ça se fait battre par si peu en moi. Hop. Tiens. Prends ça, prends ça, prends ça. Et... voilà. Tiens. Ok. Et là il est mort, normalement. Ou elle est morte, je sais pas. J'ai pas forcément envie de genrer ce truc de toute façon. J'en avais jamais. Ah, ça dégage. Ces êtres semblaient différents de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est tellement stylé tout ce qui se fait, je trouve. Et ça va ce petit donjon là? Il est cosy. Quand tu vois Rock the Bomb, mais pas sur. Je vous jure que. Alors. Je vais aller me chercher un truc à bord, mais avant, je vous rappelle mon planning. Je vous rappelle mon planning pour les prochains Daystation. FF16, Sekiro, Nioh 2, Marathon Ratchet & Clank. C'est-à-dire que là, je finis FF16. Ensuite, on enchaîne avec. On enchaîne. Regardez. 4 donations. 4 choses à faire. FF16, ensuite on fait Sekiro, et ensuite on finit Nioh 2, et puis il nous restera que Ratchet & Clank, le marathon, et ce sera le quatrième qu'on fera, et ensuite bah, on aura évidemment terminé bien sûr tout ce petit planning qui est ma foi bien viande. Et qu'est-ce qu'il y a, Toms? Oui, tu y crois? Mais oui, oui. Mais oui. De quoi? Mais c'est quoi le truc? J'ai pas compris, de quoi MDR, Xabab, trop drôle, MDR, quoi? Qu'est-ce qu'on rigole? De quoi vous parlez? Tous les jeux que t'as dit, tu les platines? Alors, Nioh 2, le but c'est de le platiner, oui. FF16, oui. Sekiro, je le platinerai pas. Mais Ratchet & Clank, oui. Sekiro, je le platinerai pas parce que j'ai déjà le platine. Hop! Allez, je dab sur vos grands morts. Merci Ilan pour le follow. Pff, je sais pas, je prends la conf un peu. Je prends un peu trop la confiance. Comment je prends la confiance? Je dab sur vos grands morts. Pardon, excusez-moi, j'ai... Sekiro déjà platine. Bah oui, oui. Sekiro déjà platine, donc je le platinerai pas parce que bah je peux pas, je l'ai déjà fait. Donc voilà, je platinerai pas Sekiro en live, il est déjà fait. Voilà, voilà. Je vais me chercher un truc à boire, j'ai ultra soif. J'ai fait la connerie, j'en bois jamais, de boire un café. Et le café, bah ça assèche de fou la gorge. Voilà. Tu dab? Ouais, je dab. Ouais, vous voulez? Regardez, je vais au milieu, je fais un giga dab. Pour combien? Vas-y. Pour combien? Pour combien je vais là? Salut Zodiacal, comment ça va? Coucou. Pour combien je vais là en plein milieu de l'event? Je fais un tour sur moi-même et je dab à la fin. Pour combien? Pour combien? 1 euro, ouais, vous êtes radin un peu. Pour combien je le fais? 3 euros, vous êtes un peu radin. Un peu radin. 5 euros, en vrai, je le fais. 5, je le fais. 5 euros, je le fais. 5 euros, je le fais. 5 euros, je le fais, vous avez un super clip. N'en fais pas ça.
5€. 5€. Et vous avez le clip du moment. Vous pouvez même faire une commande avec et tout ça. La commande et la commande point d'interrogation d'Ab, elle va être parfaite. Je propose. Je propose. Je sais pas. Attends, quoi? L'offre est pas mal. L'offre est pas mal. Pour 5€ de don, un beau clip. Les flaques d'eau. J'ai des blagues qui est pas ça. On négocie avec le chat. 5€. 5€ une fois. 5€ deux fois. Je sais pas si j'attends ou si je vais me chercher de l'eau en vrai. 3K points, c'est bien, non? Eh, 5€, 5€. Je mets la cam en grand, évidemment. Évidemment. Je mets la cam comme ça. Je mets la cam comme ça et je le fais. Je mets la cam comme ça et je le fais, évidemment, là. Là, en sachant qu'il y a vraiment... alors là, il y a personne à cette vidéo-là aujourd'hui, là, en ce moment. Mais il y a du monde tout autour. Là, il y a du monde 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 partout. Lève la Kibison. Ah voilà, bah go. J'ai pas entendu Calypso vient de lâcher 5€. J'ai pas vu. Merci Calypso pour les 5€, merci beaucoup. C'est bon, vous avez le moment le plus cringe d'un live. Ah mon dieu. Oh, il est chat, il y a des gens, ils vont regarder. Oh, il était... Waouh, celui-là. Merci Calypso. Hein. Ah, celui-là, la commande sur la chaîne, le point d'exclamation d'Ab. Ah oui, ouais. Ah, oh, parfait, encore, encore. Non mais calmez-vous, je vais pas le refaire. Il était bien, il était bien. Va te chercher à boire, je vais me chercher à boire, je vais me chercher à boire. Tous les 5€ tu fais ça et calme. Calme. Tous les 5€ je fais ça, du calme, du calme. Ah, le plus beau que j'ai vu, il était magnifique. Il était magnifique ce dab. Tu fais la toupie Shadab, Shabab. Je suis une Beyblade. Il était pas mal. Je vais me chercher à boire, j'ai soif sa mère. Tous les 20€. Allez, à partir de maintenant. À partir de maintenant. Et allez, à partir de maintenant. À partir de maintenant. À chaque fois qu'on passe un multiple de 25, 2225, 2250, 2275, je fais le tournicodab, c'est son nom, je fais le tournicodab derrière. Je me lève et un petit tournicodab à chaque palier de 25. Un tournicodab à chaque fois. Oh putain, je vais regretter tellement fort le tournicodab. Oh, je vais regretter tellement fort le tournicodab. Mais bon, je reviens. Le tournicodab. Le tournicodab. Un petit tournicodab là. Une note sur 10 sur la difficulté de Sekiro. 8-9, hein. Franchement, platine de 8-9. 8-9 pour moi. Hard Sekiro. Hard, il y a des boss. Pour moi, c'est le plus dur des Souls en platine en plus. Ça demande pas de farm contrairement à beaucoup de Souls. Mais c'est chaud. Xadab TV. Bref, oubliez ce que je viens de dire pour les paliers de 25, je vais chercher à boire. 30 minutes, c'est la fin de l'après-midi. J'ai le seum, il se barre quand j'arrive. Non mais c'est bon, je vais aller chercher de l'eau. Si je revenais pas, Timéo, bonjour à toi, mais si je revenais pas, je couperais le live, hein, vous inquiétez pas. Hein. Si le live est encore ouvert, c'est que je vais revenir. Il est long ce donjon. Je suis toujours niveau 21 par contre. Le jeu, je vais tellement le poncer la semaine pro. Xav qui fait top 1 sur Fortnite, tu fais un tournicodab. Et le tournicodab, ça me fume parce que vraiment vous commencez à l'utiliser premier degré. Merci Zodiacal pour les 50 balles. Merci Zodiacal pour les 50 balles. Merci Kella pour les 9€. Ah, oh, je dois deux tournicodab. Ah, oh, je dois deux tournicodab. Merci pour... Wouh, je vais faire deux tournicodab. Ça crie et c'est le moment où je vais faire des tournicodab. Allez, un tournicodab, c'est parti. C'est parti.
Allez, on refait. Un tournicodab. Un tournicodab. Merci Kala pour les 50 bits. Merci, je voulais le 2-2-2. Ah bah non, merci beaucoup Zodiacal encore pour les 50 euros. Et merci Kela. Je vous dois un deuxième tournicodab. Et si on passe les 75, vous avez un troisième tournicodab. Romain ? Romain, il a pas vu le tournicodab. Ah, je lui montre. Je vais lui montrer le tournicodab après. Tournicodab ou pas ? Regarde le tournicodab. 25 euros, c'est pas un tournicodab. Tournicodab. C'est bien ou pas ? Sur l'échelle du cringe, un peu. Romain, il m'a fait, ouais, c'est bien le tournicodab. Allez, merci beaucoup Zodiacal, j'espère que tu vas bien aussi. Tu donnes 25 euros, tu fais un tournicodab et rename quelqu'un. Non. Tous les paliers de 25, je fais un tournicodab. Tous les paliers de 25, je fais un tournicodab. Donc si tu donnes 25, on passe forcément un pied de 25, donc il y a forcément un tournicodab. Et tu peux rename quelqu'un, oui, bien sûr. Le prochain, tu le fais avec RJ. Oh, mais RJ va faire un tournicodab avec moi avant la fin de l'event, vous inquiétez pas, bien sûr. Vous aimez le tournicodab ? C'est cringe sur 10 000. Oh, c'est tellement cringe le tournicodab. Il y a des gens, ils me regardent, je suis là, ils sont en mode. Ah. Et le chat voulait transformer Xavier en hélicoptère. Et la Kaoxide. Et la Kaoxide, il lâche 1000 balles. Ça fait quoi de tournicodab ? Si Kaoxide, il refait comme un Battle Force, je fais quoi de tournicodab d'affilée ? Attendez. Oh, ça va tourner, hein. Ça va tourner. Ah non, je suis pas. Hop. Ça fait 40 tournicodab. Wow. Je suis pas chaud. Je suis pas chaud pour les 40 tournicodab. Après quoi truc le dornicodab. Le quacoudab. Merci Kela pour les 25 euros. Merci beaucoup. Tu sais si Ronoa Zoro est passé. Oui un peu. Merci beaucoup Kela pour les 25 euros. Et Kela, je croyais que... Non, tu... Pas pour la digestion. Allez, c'est reparti pour un tournicodab. Oh, je vous le fais en mode danseuse étoile sur un pied. Un beau tournicodab, celui-là. Oh non, la prédit. Ah oui, merde. Oh, et oh, 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 le chat. On est à 3 euros de la prédit, hein, par contre. On est à 3 euros de la prédit. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a eu? Putain, il y a eu 200 balles de Kaoxide, j'ai pas vu. Merci Kaoxide pour les 200 euros. Et merci Calypso pour les 2,98€. 2500. Merci beaucoup. Mais je vous dois combien de tours? Merci Kela pour les 2,88€. Merci beaucoup. Ça fait quoi de tournicodab? Ça en fait 5. Ça fait 5 tournicodab. Putain, j'ai... Ça fait 9 tours. Non, ça fait pas 9. 4. Non, 8. 9. Oh putain, ça en fait 9. Ah, mais je suis pas un hélicoptère. Mais je suis pas un hélicoptère. Ah, oh, sa mère, la tchouin. J'assume pas trop ce qui va se passer, hein. Romain, tu fais un tournicodab avec moi. Il trouve une excuse, il veut pas faire tournicodab avec moi. Et de 1. Vous avez vu un peu le style. Beyblade. Vas-y, je fais 8 tours à la suite et un dab à la fin. J'ai le droit de faire 8 tours à la suite et un dab à la fin. Mais après, je vais tomber. Je fais 8 tours à la suite et un dab. Allez, attention. Wow.
je vois plus le chat. Ça tangue. Je vois. Ouh, attendez, je vais gerber. Attendez, je vais vomir. Si je vomis, je pleure, donc faut pas. Non, regarde, j'en ai fait un avant. J'en ai fait 8 après. Trottoir hyper Xebem. Oh putain. Ah non, attendez. Attendez, le tour d'Iconaf, ça... J'ai compté que 7 tours, mais non, j'en ai fait plein des tours. Merci Chabal pour les 1€. Bonjour, je suis Nicolas Magikarposi et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Trempettes. Le Temps des Trempettes, Audible, elle est bien. Elle est bien. Vas-y, je fais un hélicodab sur ma chaise. Hop. Il est devenu accro en fait. Le flow en fait un petit peu. Et vous savez que premier degré, genre j'étais bien et ça m'a donné chaud. Genre j'ai fait mon sport de la journée en vrai. Hein. Tu sais que là j'ai fait mon sport de la journée. Hein. Là je suis pas bien. Hein. Là je suis pas bien. Hein. Bon bah GG pour la prédit en tout cas. Hein. Comme quoi, regardez la prédit, certains n'y croyaient pas, moi non plus. Et finalement, le chat a rendu l'impossible possible. Kaoxide a donné 200 balles et Valex 50 euros. Est-ce que Kaoxide, du coup, c'est pas un peu Kim Possible et Valex, c'est son acolyte là. Et du coup, qui c'est le rat-top? En tout cas, gloire au grand chronon nidre de Esfrium, fan de Crow, j'avais All-in Shabab Jean. T'avais All-in surnom? Ah. 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 Par contre, dans 500 balles, on fait visage et j'ai pas envie du tout. J'ai pas envie du tout de faire visage, hein, Barontin. Je sais pas où il faut aller, là. Là-haut. Le ratop, c'est Tobs. Putain, c'est vrai, c'est Tobs, le ratop de Kim Possible. Allez, visage. Non, pas visage. Oh, pas visage. Oh, vraiment pas visage, hein. Attendez, c'est quoi la liste des trophées de visage? Est-ce que je fais le platine de visage en live? Attendez, la liste des trophées de visage, est-ce qu'il est dur? Trophée visage. Visage guide des trophées, est-ce que c'est dur? Il n'y a aucun guide pour le moment. Ah merde. Il est dur visage en... Ah, il paraît qu'il est facile. Ah mais il y a des trophées manquables. On fait le platine de visage en live? Oh quelle angoisse, froid je dis ça, ferme ta gueule. Platine de visage en live ou pas? Est-ce qu'on fait le platine de visage en live? C'est complètement con comme idée. Hein. C'est complètement con comme idée. Hein. C'est complètement con comme idée. Hein. Je te soutiendrai et tu me soutiendras que dalle. Bah si on fait les 3000, de toute façon je m'engage à le faire. Hein. Elles sont rigolotes les abominations sinon. On n'avance pas du tout dans Final Fantasy. Hein. Mais les dons ça se trouve donc bah let's go quoi. Ça suffit. Hop. Ok. C'est fini déjà? Déjà Madison t'avais des actions chez Pampers, là tu rachètes la société. Non. Il reste quoi de temps de live, je sais pas. Un autre de environ une heure, je pense. Après, je vais vous raid sur la chaîne principale. Dans une heure, je vous raid sur la chaîne principale pour le JDR. Et on se retrouvera demain pour le rush final. Tout l'après-midi ainsi que le soir. Ah, c'est quoi le but de visage? Je crois que c'est s'enfuir de cette maison, d'une maison de merde encore. Comme la plupart des jeux d'horreur. Yo 2 et visage, les deux running gag. Non, visage, c'est pas un running gag. Oui, c'est ça, Misters. Merci Platine TV Show pour le follow.
Un peu quand même. Non, visage, j'ai dit une fois que je voulais l'essayer. J'ai essayé, j'ai eu trop peur, j'ai arrêté. Mais c'est pas un running gag. Nioh 2, c'est vraiment un running gag pour le coup. Bon. Les tours d'Icobdal sont tirés rétroactifs avec les dons déjà faits. Non. Non. Non, non. On dirait, oui. Non. Et vous pensez que je peux devenir actionnaire majoritaire de Durex? Peut-être. Peut-être, peut-être. Le Let's Play Mario Odyssey World, je devrais le baisser parce que je suis... Pour moi, je suis persuadé par contre qu'on n'atteindra pas les 4000 euros. Hein. Je sais pas, on verra demain. Parce que je rappelle, à 4000 euros, c'est Marathon Mario Odyssey en une fois et j'essaye de me placer dans le top speedrun. Je crois qu'on arrive à une impasse. Ah, je refais le live Mario Odyssey en une fois. Je pensais pas qu'on aurait un cas, c'est vrai. Est-ce qu'on bat le record de l'année dernière? C'est Sky. Est-ce qu'on bat le record de l'année dernière sur la chaîne? A ton avis, c'est une sorte de dieu au milieu. En vrai, on se rapproche du record de l'année dernière à la live. Il était de 3640. Ça se vient à live, Sky, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas refaire le jeu de solidité de nouveau 2000. Non, j'avais dit que c'était avant une telle heure. C'est toi. Je vais faire le Whole Moon. Le Whole Moon. Le Whole Moon. Je refais pas les costumes et tout ça. Qui es-tu? Hey Praco, bienvenue. Hey Julux Roi. Par contre, depuis hier, GG, et félicitations. Et re-bienvenue ici. Ça fait longtemps. What? What, 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 quoi? Alors, se battre soi-même? Ouais, on va faire un abonné, il me semble qu'on a atteint bien avant. Quoi? Non. Pas du tout. Mais là, en vrai, j'ai pas le temps de le faire, le jeu du spaghetti, parce qu'on va aller faire du... On va aller faire le... C'est... Le JDR. Le passé. Il est revenu dans son passé, là, c'est une... Ah oui, c'est une image du passé. Quand il tue son frère. Joshua. D'accord. Arrête. 28. Au pire, demain, on va pas, oui. Ça va être marrant. On se réinflige le jeu du spaghetti, quoi. Et ça apprend quoi, du coup? C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Mais non, tu l'as pas tué, bébou. Ça, Majin? Coucou? What, il a fait pause? Joshua avait fait de moi son gardien. Il m'a donné sa bénédiction. Il m'a demandé de le protéger. J'aurais dû le défendre ce jour-là. C'était mon devoir. Il est pas mort. On le sait. On sait qu'il est pas mort. On sait qu'il est vivant, Joshua. Il est mort. C'est moi qui l'ai tué. Mais non. J'ai cherché ailleurs. T'es Yed, bienvenue. Merci. Comme pour me disculper de cette faute. J'avais peut-être peur qu'en l'admettant, j'oublierai jusqu'à son souvenir. Mais en fait, c'est moi-même que je fuyais.
Et maintenant, es-tu prêt à accepter la vérité ? Oui. Ils sont tous émo dans FF. Pas simple. Ils sont pas émo. Je le fais pour Joshua. Je lui dois au moins ça. C'est quel jeu ? Final Fantasy XVI, c'est dans le titre. Il pense avoir tué, c'est pour ça qu'il culpabilise. Il pense avoir tué son frère. En vérité, non. Enfin, moi, je pense pas. Il l'a vraiment fait. Enfin, il l'a pas fait parce qu'il est pas mort déjà. Qu'est-ce qu'il lui donne ? Bah bienvenue Yed, bienvenue. Même si cette ok. Me faire souffrir. On va pas l'affronter là. Je tiendrai bon. Si. Il le faut. Je dois affronter cette réalité. Stylé. Des preuves de quoi? Français, latin, grec. Ok. Ouais, mais ça va être vénère. Ça va être vénère d'affronter Ifrit. Ouais. Ok. Ouais, non, il faut quand même pas mal de dégâts. Ouais, il prend pas mal de dégâts, mais il m'en met pas mal derrière. Hein. Quelle classe il a, Ifrit? Ah, il est stellaire. Il a pas tant de vie en vrai. Bien tenté. Ok. Non. Ok. Non. Moi je le tabasse un peu. Là je me suis fait éclater. Là je l'ai éclaté. Là il est pas si fort pour le moment. Je me pensais plus balèze que ça en le voyant. Ok, j'ai rien dit. Ok. Cassez le couillon. Là. Ok. 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 Tiens. Bon, et ça dégage. Ok, je vais te faire l'histoire de Eric dans Dragon Quest 11. Oh, il t'a avancé de fou. Oui, elle est belle. J'en suis juste après seulement, moi. J'en suis juste là. Merci, Yed, pour le follow. Petite T, Frit, c'est pas fini. First try. Bon après j'ai pris zéro game over dans le jeu. À part le combat Phoenix Ifrit, j'ai mal géré mes tirs parce que je regardais trop le chat et que c'était la nuit. J'ai pris zéro game over. Tu nies la vérité. Tu veux encore t'enfuir et faire semblant de ne rien voir. Courage. Plus 30 heures de jeu. Ah ouais. Je suis à 50 ou 60 je crois et j'en suis au même endroit que toi. Ok, donc affrontement contre soi-même. Là, il accepte en fait le passé, il s'accepte lui-même. Oh, c'est sympa, pourquoi pas. Petite métaphore. Ok. J'aime bien la construction du personnage en vrai, hein. Vraiment. Ils l'ont bien taffé, je trouve. Hein.
Hop. Dommage. Hop. Non. Ok, déstabilisé. Il a beaucoup trop de vie par contre. C'est moi où il a énormément de vie ce con. T'as dit qu'il a ses dents. Il ne perd pas de vie. Hein. Il perd zéro vie. Hein. Ah, je dois te faire son solo après sa défaite. Ah oui, d'accord. Ok, je pensais que t'étais giga plus loin. Ça m'étonnait aussi. Merci Dexus pour le follow. Merci beaucoup. Et... comprends du coup, il y a l'écart de temps. Ouais, j'ai beaucoup de temps parce que des fois je laisse tourner quand je joue pas. Merci Kindergood pour les 2 euros. Merci beaucoup. Tu veux me donner une bonne leçon. Ok, merci beaucoup Kindergood. Ok. Il m'explose la gueule. Il a beaucoup trop de vie ce bâtard. Voilà. Ok. Tiens. J'ai en train de l'éclater un petit peu, mais il a beaucoup trop de vie quand même. Tiens, allez. Je vais déguster un jour. Ah, j'avais pas capté. Ok. Ok, prends ça. T'as fini le live de Kai Watch. Il nous en manque à faire, mais on fera ça cet été. Après TOTK. Tiens. Attention, ce jeu m'a marre, exactement. Sac à PV, ouais. Et... qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? Ok. Là, il va m'exploser la gueule. Je me sens bien. Tiens. Voilà. Ok, je l'explose. Dommage. Hop. Ok. Je le tabasse. Il est insane le boss. Au-delà de ça, il est insane. Ok. Tiens. Ok. Ça c'est de l'histoire un petit peu. QTE? Non, pas du tout. D'où tu te bagues entre toi-même. Mais c'est... mais ton ennemi est beaucoup plus cheaté. Ah. Tu t'es une image. Il arrive pas à s'affronter lui-même. Renoir. Ça ira. Il arrive pas à s'affronter lui-même et à surpasser. À se pardonner. C'est une grosse métaphore. Toi et moi. Alors. Comment t'es à 2500 bah avec des dons? Il est temps d'accepter qui nous sommes. J'aime bien le TTQ à 2100. 2100 c'est pas mal déjà. Hein. 2100 c'est pas dégueu. Voilà, là il s'accepte. Power up. Oh putain. Ah d'accord, il devient bien viande. Montre-toi, Ifrit. Ah s'il apprend à contrôler Ifrit, il va être super fort. Hein. Attends, ça veut dire que je peux contrôler Ifrit? Wouah. Wouah, les dégâts. Merci Renoir. Et ça stonks.
Ok. 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 Ok, je sais pas comment on invoque Ifrit. Moi j'ai envie d'affronter, d'invoquer Ifrit. Ok. Je veux pas invoquer Ifrit là. Ok. Ok. C'est Chibousso. Je vais dur, non, attends. Oh oui, oh oui, oh oui. Vas-y. Oh oui, vas-y. Fais-le. Ifrit. Vas-y, Sevlan. Clodocus. Ah, c'est Junker. Clodocus. 3 Clodocus. Light, c'est pas. C'est criminel ce que tu fais, Light. 5 Clodocus. C'est criminel. 6 Clodocus. 7 Clodocus. 8 Clodocus. 9 Clodocus. Okay. Et dinosaure. Oh, c'est génial. Et salut la commune. Ça t'opine fort. Quel est le Pokémon préféré du Père Noël? C'est Célutin. Car on dit toujours, voilà le Père Noël et Célutin. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. C'est génial. Mama, le combat. Oh, le gigantisme à la fin là, c'est... Ah, c'est mon âme d'enfant qui est toute ouïe là, vraiment. Final Fantasy avec les gros trucs. Aïe aïe aïe. C'est ouf, hein. En vrai, ça envoie. Et du coup, il est là, il s'est enfin accepté, il peut invoquer Ifrit. J'imagine qu'on me bat n'importe quoi en vrai. J'ai fait deux le début faute de boulot, mais ça a l'air d'être une sacrée frappe. C'est une sacrée frappe. Donc là, il s'accepte lui-même, il accepte le pouvoir d'Ifrit et il devient plus fort. Moi, j'imagine bien Valek. C'est la question rhétorique que je me pose tout seul, hein, globalement. Comme souvent. Une vérité ardente. S'accepter enfin. Clive, tout va bien? Je pense que Super Saiyan et Ifrit est là que pour les grandes histoires, oui, j'imagine. Ifrit, globalement, tu peux pas le sortir dans n'importe quel endroit, quoi. T'en fais pas. Tout va bien. C'est moi un temps sur le jeu. Là, je vais pas tarder à arrêter parce que je vais aller faire du JDR sur la chaîne principale. Donc je vous raiderai là-bas. Parce qu'après, je reprendrai pas le live à 2h du mat quand ça va s'arrêter, je pense. J'irai plutôt dormir. Étonnamment. Je dois cesser de fuir. C'est dur ce jeu? Non, sans plus. Pour le moment, pour le... Non, c'est pas dur. Je pense pas qu'il soit là. Allons voir dehors. Petit joueur, c'est toi le petit joueur, Ronoa?
Ah t'as quand même 750 subs offerts toi, ça me fout. De ton cadeau jaune d'un côté, t'es le seul à l'avoir pratiquement. Avec un certain Brotix. Pas de visage sort. Alors c'est pas parce que j'atteins un donation goal qu'on le fait instantanément. Hein. Minecraft c'est bye, on le fait pas tout de suite. Hein. Tu vois parce que le live Mario Odyssey en une fois, si on l'atteint maintenant, je le fais pas maintenant pour autant. Hein. Clive. Regarde Xabob, le pyromagicien. Ah non, c'est pas du tout, c'est d'autres personnages. Bizarre depuis tout à l'heure. Il y a peut-être tonton qui l'a aussi. Je crois pas, non. En vrai, je crois pas. Te parler de tout ça. Et pas à partir de combien c'est. Mais il a pas 750, je crois. J'avais beau savoir que j'étais un émissaire, je ne l'admettais pas. A plus, Light. Et je voulais fuir. Courage, aux ensoles, j'ai hâte qu'il me demande. Ah merde. Oui, tu m'étonnes. C'est en venant ici que j'ai enfin pu l'accepter. Le primordial de feu. Il est trop tard d'avoir. Ok, quand même. Oh, il est pas loin. Tu es mon frère ce jour-là. C'était bel et bien moi. Oh, Clive. J'ai provoqué tant de morts cette nuit-là. Et bouleversé tant de vies. Attendez, je vais faire. Je vais faire deux secondes un truc. Je suis pas sûr. Pris la tienne. Ah. Bien sûr, à côté de celui d'Astérion. Je dois expier les crimes que j'ai commis. Mais je veux avant tout. Je sais pas y être, ça dépend. J'aurais fait beaucoup. Pourquoi y a-t-il un second primordial de feu? Merci qui est là pour les 5 euros, Topineur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 5 euros. L'homme à la capuche qui me suit. Merci pour le topinage. Je suis Romain, non? Ce n'est sûrement pas un hasard si j'ai survécu après tout ça. Hello Anne-Laura. Nous trouverons la vérité. Oxide. Je t'aiderai. Oxide. Moi aussi, je veux savoir. Et il ne sera jamais trop tard pour te racheter. Merci de ton soutien. Je me rends compte que tu n'as pas changé. Oxide ne répond plus. Moi je tu sais pourquoi. Tu as toujours été forte. Ouais non, c'est juste que j'entendais Romain dire ton pseudo, du coup ça me faisait marrer. Tu as toujours su aller de l'avant. Tu fais le malin là-bas, hein. Détrompe-toi. J'ai bien changé. Mrs. One, bonjour. Je ne suis plus la jeune fille naïve que j'étais. Cette version de moi ne peut plus exister. Ok, Oxide, j'ai pas vu d'Imotourson dans ton ouais, point d'interrogation. Hein. Un message sans Imotourson, pas ouf. J'avoue, non, mais il n'y a pas d'Imotourson. Merci, Jill. Mais que fait-il ici? Ce que j'avais ressenti au fort venait de là. Donc lui, c'est Joshua. Bon sang, ça se voit. Je dois agir au plus vite. On sait que t'es vivant, arrête. N'hésitez pas à faire des dons pour des tournicodables, c'est marrant ça. C'est ouf ça. J'ai Exomania. C'est qui ça? Ah oui, c'est Titan. L'envoyé de Valeut qui a apporté le coffre a dit que c'était un coup de la bande de Cid. Quoi? Je les avais laissés filer tant qu'ils se tenaient à carreau. Bordel, ces putains de salades. Oula, oula, oula. On peut faire du Splatoon sur Blade, non. Tu vois qu'il y a Oxide, dis-moi la réponse. Oula. Il a fait quoi, Cid? Oula, on va affronter Titan? Question qu'un seul d'entre eux survive. Va-t'en. Je sens que ça, Titan va être le prochain ennemi.
sens que Titan va être le prochain gros ennemi. Il faut un tableau pour faire des fractions mathématiques. T'as besoin vraiment de ça? Une balance, ça suffit, hein. Site de Final Fantasy, évidemment. Le retour d'Hercule, c'est vrai qu'il ressemble un peu à Hercule. Il a des airs herculéens. Hein. Je suis un gros débile incapable de faire un produit encore. T'as fini. Arrête d'être moqueur. Tu veux pas aller faire le tour d'un Fall Guys qui oxyde? Je sais pas, je croyais que tu faisais du Fall Guys à côté pour t'entraîner. Bénédicte. Ok. Y'a quoi dans la boîte? Y'a quoi dans quelle boîte? Je sais pas. Ah, dans la boîte de Titan, je sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans sa boîte. Ifrit, d'accord. La transcendance L2, L3, ok. Les compétences d'Ifrit sont utilisables. Bien, et maintenant? Comment ça? Retournons à l'estange. Je dois m'entretenir avec... J'ai pas compris trop. Éveil au pouvoir d'Ifrit. Ah, c'est des compétences en plus au milieu, d'accord. Comment ça, utiliser la combinaison. D'accord. Charger des ennemis. D'accord, il lui inflige des dégâts. Il y a des boules de feu autour de soi qui absorbent les attaques ennemies. Il y a des bons trucs, quand même. Il y a des bons trucs que j'ai envie d'avoir. Ça coûte bien trop cher pour le moment. Attends, comment utiliser ça? D'accord. Ça, tu l'as comment? J'ai pas compris comment tu utilises ça, mais... Pourvoyeur et de Madame Murdoch. Elle voudra sûrement rester. Go, go, go. On va peut-être s'arrêter là parce que ça va, on va pas tarder, je pense, à faire le JDR. J'ai pas envie de commencer un nouveau fragment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va blablater.